Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour les notes de patch 12.23. On a fait une petite pause au niveau des vidéos, mais on reprend cette fois-ci. Je vais certainement aussi sortir une vidéo sur les rosters de la LEC des différents, du LEC des différentes ligues, mais là, on est plutôt sur les notes de patch. Donc, on continue la pré-saison, c'est ça, le dernier patch de l'année. Donc, en gros, c'est un patch qui va être certainement là pour être un patch ventouse, enfin, pas un ventouse, mais un patch un petit peu pour. Bien évidemment, faire des changements en réponse aux dynamiques qui sont créées par le patch de la pré-saison. Donc, ça veut dire qu'on va avoir pas mal, en effet, là, comme vous pouvez le voir, pas mal de buffs et de nerfs et d'ajustements de systèmes, notamment dû au fait qu'il y a des items qui sont un peu trop forts et également des champions qui sont un peu forts, des champions qui sont un peu faibles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les champions qui sont considérés comme étant les plus forts au début, enfin qui étaient considérés comme étant les champions les plus forts ou qui pouvaient le mieux performer dans cette saison, sont pas forcément les champions avec le meilleur win rate. Je veux donc dire que, par exemple, on a des picks comme par exemple Sion ou Shogat qui sont dans la catégorie des buffs, alors qu'on s'imaginait plutôt qu'ils seraient plutôt forts et qu'ils seraient dans la catégorie des nerfs, mais en réalité, il n'en est rien. Ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que Riot va faire pour les buffs sans trop les rendre OP avec les systèmes actuellement qu'il y a dans le jeu. Mais on a aussi pas mal de nerfs de personnages qui en effet avaient besoin d'un nerf, donc c'est plutôt intéressant. Et aussi des systèmes, j'ai hâte de voir le nerf de l'hydre vorace parce que ça peut être un truc assez intéressant. Je vais juste d'abord, avant de commencer ce patch, faire un petit récapitulatif de des mises à jour de mi-patch qui a eu lieu dans le mode patch de 12.22. Le mode patch 3, c'est une correction de bug. Mise à jour de patch 2, correction de bug. Donc le 1, c'était quoi? Donc on a eu Amumu qui a eu une réduction du délai de récupération du E en subissant des attaques de base qui étaient augmentées, ce qui fait qu'il obtient son E plus souvent, c'est plutôt cool. Les dégâts magiques du E colère ont été légèrement augmentés, c'est du plus 10. Je pense certainement plus pour un équilibrage de clear de jungle, parce que je pense que 10 au niveau 5, enfin à tous les niveaux, c'est pas non plus incroyable. Je pense qu'il peut être légèrement meilleur en support, certainement, vu qu'il fait plus de dégâts avec les premiers niveaux du E. Et que finalement, cette augmentation de dégâts va surtout se faire ressentir dans les premiers niveaux. Donc, un petit buff, mais rien de bien folichon. D'ailleurs, est-ce qu'il est toujours... Ouais, il est encore dans la catégorie des buffs, ok, c'est rigolo. Hiverne, lui, on a eu un coup en PV de la compétence passive qui a été réduit. Oh, complètement, putain, incroyable. Ils ont détruit le coup en PV de la compétence passive, certainement pour l'égaliser avec les coups en PV qu'ont les camps avec les junglers habituels, on va dire. Les junglers entre guillemets traditionnels. Donc, si c'est forcément pour comment dire, faire en sorte que Hiverne ne prenne pas plus de dégâts dans la jungle que les champions qui clearent normalement, entre guillemets. Et je pense que c'est plutôt intéressant. Le cours mana à la compétence passive a été aussi diminué. C'est pas mal. C'est pas mal. Et un correction du bug. Ok. What the fucking fuck. Ok. Ok. Non, c'est rigolo. C'est rigolo. Non, c'est... Bon, c'est marrant parce que ce genre de bug, c'est vraiment à quel point... Ça montre à quel point League of Legends est programmé de manière assez fantastique. C'est une œuvre d'art. Je pense qu'un jour, les scientifiques reviendront en détail sur... la création et le fonctionnement de League of Legends et sur son code, et que ce sera analysé comme une œuvre d'art en réalité. On a eu un buff de Jacques Chaud. Ouais. Buff de Jacques Chaud, du coup. C'est très drôle. C'est très rigolo. J'ai bien aimé ça. Je trouvais ça très très drôle. Je trouve ça extrêmement drôle en effet. L'item n'avait pas de fou besoin de ça. Et ben. Disons que maintenant il s'est build à peu près pour absolument tout le monde, absolument partout, pour aucune raison, sur des Aatrox, sur des Bruisers de fou, genre, même sur des supports, enfin c'est rigolo. Je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de ce buff, mais bon. Karthus, c'est une correction du bug, ok, très bien, il pouvait revenir à la vie pendant l'effet de sa compétence passive s'il y avait le buff de l'âme technochimique. Ah oui d'accord, hein. Non, mais on en est là quand même. On se rend compte quand même que le buff de l'âme technochimique a plus rien à voir avec ce qu'il était avant quand même. Je comprends pas comment c'est possible, mais ok. Des attaques bonus après avoir lancé le Q spell de Kinnari. Ah oui, ça c'est marrant parce que ça c'est le truc, je l'ai lu et je me suis rendu compte que ça existait. Rigolo. Genre vraiment, je me rappelais absolument pas que Kindred avait un bonus des attaques après avoir lancé le Q spell. Bah écoutez, c'est le cas. Bon petit up. Je pense pas que Kindred soit particulièrement mauvais dans la méta. Au contraire, je pense que c'est un des meilleurs junglers du jeu. Et ça l'est d'ailleurs en fait, maintenant que j'y pense. En jungle, elle est combien? Ouais, top 6. C'est pas dégueu en vrai, hein, top 6.
en platine plus. Donc ouais, pas mal, pas mal. Maokai, le ralentissement renforcé du E est de 45% plus 0,6 plus 2 à 45 plus 0,9 plus 4. Ok, c'est plutôt pas dégueu en réalité. Forcément pour ralentir un peu plus fort avec son E, c'est cool, ça buff à peu près toutes les itérations de Maokai, tous les rôles. Même si spécifiquement je pense le Maokai support. Ah même si non, en vrai non, parce que les stats sont bon obtenu. Oh, non, ce serait plus top lane en réalité plutôt. Ou jungle, mais surtout top lane. Vertu radieuse, pour le coup le pourcentage de PV max des soins passe de 1 à 2%. Ok, enfin sur radieuse, ça m'a l'air d'être un item pas fou justement dans la méta pour le coup lui, donc c'est pas mal qu'il se fasse buff. L'accélération de compétences en ultime est plutôt intéressant aussi. Un petit plus 5, c'est plutôt cool. Et un peu à cause duquel vous pouvez définitivement réduire les dégâts de récup. Ok, c'est rigolo. Ramus, l'armure bonus de base du Z a été légèrement augmentée, c'est cool. Les résistances magiques bonus de base du Z a été augmentée de 5, c'est cool. C'est pas fou, mais c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Ça peut le permettre de tank légèrement plus. Hydrovoras a pris plus 100 gold en coût total. Et les dégâts max par effet cumulé passent donc de 0,6 à 0,5. Donc on perd 4 de dégâts d'attaque max supplémentaires. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est un faux nerf, basiquement. La seule chose qui se passe maintenant, c'est que Hydrovoras fait partie des items. Officiellement, je crois que c'est égalité l'item le plus cher du jeu. Avec Shojin. C'est tout. À part ça, je vois pas trop d'autres. Ben, le problème, c'est que enfin l'item est quand même broken, même sans. Même avec 4 d'AD de moins, quoi. Mais bon, c'est assez ridicule. Le bâton séculaire a pris 400 gold de moins, ce qui est cool. Pour le coup, ça fait plaisir. Parce que l'item s'obtenait vachement plus tard et donc t'avais vachement moins le temps de stacker cet item. Donc c'est plutôt cool qu'il le baisse un peu. Moi, je pense qu'on devrait quand même légèrement buff l'item encore un peu plus au niveau des stats de base pour que ce soit vraiment un item qui puisse être sélectionné dans des cas qui ne soient pas des cas de niche pour les champions. Mais en dehors de ça, ça va. Après, si c'est la philosophie de League of Legends, c'est. Riot pour les items, c'est le mythique, tu le changes en cours sur la partie, et les légendaires, par contre, c'est tout le temps les mêmes. Ce qui n'est pas le cas et ce qui devrait pas être le cas, du coup, d'ailleurs. Dans ce cas-là, ça reste ok si tu prends que dans des manières de manière spécialisées. Le Rabadon fait 3600 gold, d'ailleurs, donc c'est toujours Rabadon qui est le plus cher, d'ailleurs, je le dis encore une fois, mais. C'est deuxième ex aequo, basiquement. Avec trucs genre la lame d'infini, Shojin. Prestolam, c'est ça? Et Prestolam. Shaco, correction de bug, d'accord. Viego, correction de bug. Et des équilibrages en ARAM, j'ai pas les liens, mais voilà, vous voyez. Parfait. Donc ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet avec le vrai patch. Donc le 12.23. Donc, mise à jour de l'ARAM. Cette mise à jour est une lettre d'amour à tous les joueurs d'ARAM. Après les nouveaux ajustements de stats apportés lors du patch précédent, nous avons de nombreuses mises à jour pour l'abîme hurlant dans ce patch. Donc les tourelles qui s'écroulent et les portails givrés, oui c'est ça, c'est les fameux portails givrés. Donc ils sont présents dès le début de la partie, qui te téléportent directement depuis votre Nexus jusqu'à la tourelle extérieure. Donc c'est la tourelle la plus élevée on va dire. Votre première tourelle détruite, le portail vous enverra votre tourelle limiteur et la sortie restera cet endroit jusqu'à la fin de la partie, ok. Donc c'est possible de faire un flank bizarre quand les ennemis sont en train de taper ta tourelle de Nexus. Et en dehors de ça, ça te permet basiquement de revenir plus rapidement sur la lane, ce qui est intéressant parce que du coup ça permet de réduire un peu les temps où on se fait chier dans la RAM. Moi ce qui me fait chier dans la RAM c'est surtout le fait qu'on a des games qui très souvent terminent dans des parties où en fait les gens respawnent trop vite, basiquement, et on n'a pas le temps d'amener les sbires. Je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait potentiellement, après un ace, faire en sorte que les sbires avancent plus vite. Je pense. Ce serait peut-être la mécanique que je donnerais parce que comme ça permettrait de. D'accélérer les fins de partie pour pas forcément avoir à augmenter les temps de mort, mais bon. Chute des tourelles du coup. Quand les tourelles extérieures sont détruites, elles s'effondrent et laissent des gravats qui sont considérés comme de nouveaux éléments de terrain. Ok. Donc c'est basiquement des murs. C'est cool parce que ça buff pas mal de personnages qui jouent à travers les murs. Donc soit des personnages genre Camille par exemple. Camille qui peut être plutôt intéressant, Vayne potentiellement peut utiliser ça de manière assez, assez cool. Des personnages qui peuvent passer des murs assez facilement avec des dashs sont buff. Par contre à l'inverse des personnages genre Akshan, qui peut plus tourner autour de le truc peut-être, je sais pas, hein, bref. Ou des personnages qui ont pas forcément envie de se retrouver corner, genre des trucs genre Anivia forcément vont être un petit peu impactés par ce genre de changement. Et aussi les champions de Pog bien sûr.
Bonjour des hautes herbes. Il y a désormais une nouvelle parcelle d'herbe dans la partie basse du milieu du pont. Dans chaque camp, les hautes herbes situées entre la toile extérieure et la toile d'hiver ont également été étendues. Ok, donc la plus de bush. Cool pour Rengar. C'est tout. c'est tout. Préparation du pont. Nous avons enfin attaqué les réparations de l'abîme hurlant avec la nouvelle mécanique de chute des tourelles. Nous avons décidé de rendre le pont un peu plus spacieux afin de compenser l'espace perdu par les gravats de tourelles. Ok. Les trous dans la partie basse du pont ont été rebouchés. Vous pouvez désormais marcher sur tout le pont. Ok. Plutôt cool. Est-ce que c'est pas un nerf direct à Bard? Oui, du coup. Nerf direct à Bard, en effet. Donc on verra un peu comment ça se passe. Mais voilà, c'est un truc plutôt cool, ça change un peu. De toute façon, c'est du changement sur un mode de jeu temporaire, donc c'est plutôt... Enfin, temporaire, un mode de jeu alternatif. Donc c'est plutôt cool, de toute façon. Ça a changé la dynamique, les gens vont se mettre à du temps à s'adapter. Ça va être cool, mais c'est pas dans, forcément le truc le plus cool de la planète. Mise des bonus de combat, nous ajoutons une petite quantité de changement ergonomique au système de bonus de combat. Les gens ne peuvent plus activer un bonus de combat dans les 10 dernières secondes de la section des champions. Ok, donc c'est... Oui, et les alliés se disent, mais qui a offert un bonus de combat à l'équipe? Ok. Ça, je crois que c'était déjà le cas. Mais ok. Et par contre, le bonus de combat, c'est le bonus de skin ou pas? Parce que le bonus de skin, c'était déjà... déjà offert, et du coup, ce serait surtout pour empêcher les gens... Ce serait pour empêcher les gens, basiquement, de faire le fameux boost à 10 secondes de la fin où les mecs regardent plus, ils sont en train de faire leur rune et en fait, tu leur changes leur skin. J'aime pas leur skin, du coup, tu dépenses 90 RP pour leur pour faire changer de skin, ce qui est assez rigolo comme interaction. Visibilité des coffres de notes S. Obtenez un S avec tous les champions ou avec un maximum d'entre eux en fonction de leur rang au tir. Ok, très bien. Dans la section des champions d'Aram, les joueurs peuvent désormais voir quels champions n'ont pas encore reçu de coffres de notes S. Ok. Ça, c'est très cool. Parce que pas mal de gens aimeraient bien avoir un petit peu cet indicateur, parce que ça permet de maximiser un petit peu les récompenses que tu peux avoir dans les parties, notamment en Aram. C'est un truc qu'ils auraient dû faire depuis le changement de premier changement Extech, mais bon, c'est bizarre qu'ils le font que maintenant, mais ok. Mieux vaut tard que jamais. Équilibrage en Aram, cœur acier, ok, très bien. Alors les objets. C'est bizarre de commencer par les objets avant de commencer par les champions. C'est toute l'année, on a commencé par les champions avant de passer aux objets, mais ok, très bien. X Amandre, donc l'item vert, qui était certainement le plus broken des trois d'ailleurs, qui te donne donc un shield qui en plus t'augmente, enfin te réduit te donne une résistance au ralentissement et au CC. Donc c'était vachement fort. C'est pique même dans des champions qui étaient assez squishy, comme ça, ça leur permettait basiquement de pouvoir survivre. C'était une mini crown, basiquement, donc c'était assez intéressant et assez fort. C'était même pique en priorité sur des champions genre Karthus, donc ça prouve que l'item était assez fortiche. X-Amandre s'est révélé être un des compagnons de la jungle les plus puissants lors de cette pré-saison. Ses bonus de ténacité sont donc revus afin de permettre aux ennemis d'avoir plus d'opportunités pour les contrer. Donc, le dur du buff passe de 3 secondes. Ah putain, c'est 3 secondes! Mais vous avez pété un câble! 3 secondes! Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que l'item était broken? Ah ouais? Oui, bah en même temps, oui, forcément, là, ça franchement, là, quand je vois les chiffres, je suis en mode, bon, ok, ok. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre le changement. Ça me paraît ok. Ça me paraît plutôt évident et justifié. De ténacité, objet s'additionne à la ténacité des objets. Ouais, champion de multiple ténacité, ok. Je suppose que c'est censé changer les calculs. Alors, je pense que ça doit être un nerf, du coup. Ça veut dire que la ténacité va pas être aussi impactante que ça. Ah oui, donc ça va faire x 1,5 au lieu de faire plus. Ouais, ok, je vois. Je pense que c'est plus possible de faire d'atteindre 100% de ténacité, ou en tout cas des chiffres assez forts, assez gros. Mais ouais, ça reste intéressant, ok. Ça reste un item qui est plutôt fort. Juste que si on peut le rendre un peu plus situationnel, de manière à ce que les gens choisissent le Pokémon en fonction de leur game, en fonction de leur champion, ils le prennent tout le temps. Ou alors justement dans le cas d'Xamon, donc ils le prennent tout le temps, regardless comme on dit. Et ben ça c'est plutôt intéressant. Donc, ok, je suis définitivement plus pour ce genre de changement. Et maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc en gros, là, tout le patch 12.23 est worse juste pour ce changement, basiquement. Donc, l'hydre Voraz, nous avons un peu trop renforcé les stats de l'hydre. Qui en faisait un objet trop efficace pour son coup. Nous voulons faire... Alors, trop efficace pour son coup, c'est quand même le deuxième item le plus cher du jeu, mais... Peut-être que c'est juste un objet trop efficace tout court, mais ça, c'est mon avis. Nous voulons faire en sorte qu'elle reste un objet priorité pour les champions qui ont besoin de dégâts d'attaque qu'elle apporte. Nous allons réduire ses dégâts de zone et retirer le mini-empirisme au max d'effets cumulés.
Donc les dégâts de zone, ça passe de 60/30 à 50/25. C'est léger, mais ça passe. Et on enlève l'ovnivampirisme au max d'effet de 4%, donc c'est cool. Est-ce que l'item reste broken? Alors avec les deux... Alors je pense que honnêtement, ça va rester extrêmement pris par beaucoup de gens. Et que le troisième nerf sera certainement le nerf qui va détruire l'item. Mais là, on est sur un petit bon... Je pense qu'on est sur un bon sweet spot. Je pense que si l'item est encore broken, ça va, on va devoir toucher un peu plus au stade de base. Et je pense que c'est là que tout le truc va pas lire. Mais en réalité, ouais, je pense que l'item est plutôt ok en général. C'est pas trop problématique. Le seul problème qu'on avait, c'est forcément que c'était pique sur à peu près tous les champions de la dimension. Simplement parce que c'était juste trop fort en termes d'omnivampirisme donné, en termes d'AD. C'est assez facile à stack parce que ça pouvait stack sur les sbires. Et sur les champions, et sur les objectifs neutres. Et en plus, c'est... En fait, le fait est que ton omnivampirisme te permettait de rester en vie plus longtemps. Et donc te permettait de garder tes sacs de passifs. Donc je pense que l'effet domino qui va être amené par le fait de supprimer l'omnivampirisme au max d'effets cumulés va peut-être rendre l'item juste viable. Je pense qu'il faut pas le tag autant que ça. Après, forcément, il faudra analyser pour voir si vraiment... continue d'être aussi plébiscité par à peu près tout le monde et surtout qu'il continue d'être aussi fort avec un win rate aussi fort, forcément il faudra faire des changements, mais là pour l'instant je pense qu'il est peut-être dans un spot plutôt fine pour l'instant. Là je pense qu'il est plutôt fine. L'égide solaire. Alors, depuis la rétrogradation de l'égide solaire, oh putain de merde, c'est si long. Donc le tank aurait plus de mal à éliminer les sbires sur sa propriété passive immolation. Malheureusement, les changements de la mise à jour 12.22 n'ont pas suffi et les tanks ont simplement préféré ne pas acheter cet objet. Ah ouais. Ah désolé, je suis un peu malade d'ailleurs, si vous entendez un peu des trucs, mais... là, malheureusement, la pluie n'arrête pas le basket et la maladie n'arrête pas les patch reviews. Mais ouais, en effet, ce qui les a mis à perdre beaucoup de sbires sur la voie du haut, les tanks de la jungle s'en sont toutefois sortis grâce aux compagnons. Voulant toujours faire en sorte que l'égide solaire soit un outil utile pour les tanks et qu'il reste un premier ou deuxième objet intéressant, même si c'est non obligatoire. Dans ce patch, nous penchons donc sur ce problème en renforçant les tanks qui ont souffert de la perte d'immolation et en augmentant l'efficacité de l'égide solaire pour en faire une option de dégâts viable pour les tanks. D'accord. Donc ils font exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire de buff les deux parties de l'interaction qui est moins forte, c'est-à-dire les champions qui peuvent pas wave clear et l'égide solaire. J'ai hâte du coup que les champions qui se font buff prennent l'égide solaire et wave clear comme des tarés. Ça va être très très drôle. Mais ouais. Le coup de combinaison passe donc de 100 à 2900 gold. Ouais. Donc ils ont diminué par 100 le coût total. En vrai, de toute façon, je sais pas trop ce que tu peux faire de plus en vrai. Parce que là, l'item est déjà absurdement cheap à acheter. Donc à part si tu le mets dans la catégorie du cœur gelé. Attendez, est-ce qu'avec le nerf c'est déjà dans la catégorie du cœur gelé? Oui, c'est déjà dans la catégorie du cœur gelé en fait, ok. Donc là, si tu le mets encore moins cher, là au bout d'un moment, je pense qu'on va arriver à un point où ça sera un peu comique quoi. Non, normalement c'est bon. Normalement, on peut pas descendre plus bas en termes de coûts, donc c'est ok. Et ils augmentent les PV, ok. J'ai peur d'à quel point ils vont potentiellement rendre l'item pick par absolument tous les champions, mais. Le fait que ce soit qu'un item qui donne de l'armor maintenant fait qu'il sera pas pick dans tous les cas non plus. Ou alors que les champions qui doivent le pick, qui veulent le pick, seront juste pas pick quand il y aura des dégâts magiques en face, donc on verra. Et c'est vrai que encore une fois, on tombe un peu dans le piège de ce genre d'item spécialisé où j'ai besoin de wave clear, je suis contre un champion AP, ma vie elle pue la merde quoi. Parce que y a littéralement aucun item AP qui me permette de clear la wave plus facilement. Donc je suis obligé soit de pas clear la wave, soit de partir sur un égide solaire qui me donne de l'armure alors que mon opposant fait de la résistance magique. Voilà quoi, c'est... Ça rend les picks de champions plus spécifiques en fonction de la game. Ça va te forcer à pick des champions qui wave clear mieux contre des champions AP. C'est un peu bizarre, mais bon, en dehors de ça, j'ai pas trop d'autres choses à dire et il y a moyen que ce item soit encore pick un peu souvent. Mais ça me fait surtout chier que les gens partent, enfin les tanks continuent à partir sur les mythiques en premier. Alors que Jacques Chaud, de par son effet, est clairement un item qui sont 7 piques en deuxième et pas en premier, mais bon. Ok, champion. Alors, Amumu. Donc, ils ont rebuff Amumu. Donc, la stat de croissance en PV a été augmentée. Donc, passe de 89 à 100. Ok.
Donc, il va gagner énormément d'HP au fur et à mesure de la game. Ça fait quoi ça? C'est du sang par niveau du coup? Donc c'est 1700 HP de plus? Non, 170 HP de plus au niveau 18. 187 HP de plus niveau 18. Ça va, c'est plutôt intéressant. C'est ok. Sur un cristal de rubis quoi. Le cours mana du A a été augmenté. Merci pour le buff du coup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le dégât du Z ont été augmentés, ok. Et les dégâts magiques de base ont été, du E ont été augmentés, ok. Donc ils augmentent les dégâts magiques et le Z et du E, ok. Et ils augmentent le coût mana du spell. Alors pourquoi? Pourquoi? Ah oui, d'accord. Donc ils ont décidé de pas renforcer son rôle de support qui est déjà fort. Alors excusez-moi, est-ce qu'on pourrait regarder le win rate d'Amumu sur page 12.22, s'il vous plaît? En platine plus. Ouais, 51 quand même, ça va. En platine plus, c'est le combientième dans le classement? Le 25e. Non, pas le 25e. Non, c'est pas dans l'ordre. Bon, ok, on va dire le 20e à peu près. C'est ça. Bon. En termes de support engage, c'est définitivement dans les premiers avec Maokai. Hein, donc je vais pas faire comme si. Bon, c'est ça. Hein. Je vais pas faire comme si c'était pas genre un champion plébiscité. Dans ce rôle-là précis. Donc ok, à la limite. Après, le fait de buff ses dégâts de toute façon, c'est pas parce que tu fais en sorte que son cours mana du A soit plus grand que ça va détruire son rôle de support. Au contraire, je pense que ça va juste extrêmement sanctionner les mauvais Amumu qui arrivent pas à toucher leur bandelette. Ça va leur faire dépenser plus de mana. En dehors de ça, c'est juste un flat buff de tous les Amumu, basiquement. Un peu moins du support forcément parce qu'il y avait moins de niveau, mais ouais, ça intéressant. Je pense qu'Amumu va toujours être joué en support parce que les gens veulent pas forcément donner autant de ressources à un champion comme Amumu parce que kit de sort est trop fort pour être. Enfin, il est trop fort de lui-même pour que t'as envie de lui donner plus de ressources que ça. C'est un peu comme Blitzcrank, basiquement. Donc, on va voir un peu, mais j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il serait privilégié dans un autre pick que support. Ouais, c'est ça. Il a encore joué dans 70% des games en support, donc ouais. On verra un peu comment ce que ça se débrouille au niveau de sa jungle, mais à moins qu'on lui donne des capacités de scaling vraiment intéressantes, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que là c'est juste, ils augmentent ses stats de base, ses dégâts de base et dégâts en fonction des PV max de la cible, donc les trucs qui ne changent pas avec ses stats. Donc c'est juste un flat buff du AMU support quoi. Donc ensuite on a Shogat. La restauration de mana de la compétence passive a été augmentée, ok. Donc on passe à donc 3,5 jusqu'à 7,75 de mana en tuant un ennemi à 4,7 plus 9,5, ok. Ça impacte pas mal le Shogat mid lane, du coup, je suppose. À partir du moment où, enfin, Shogat mid lane a une propriété où en fait, à partir du moment où il obtient son chapitre perdu, donc Q-spell one shot la wave de sbire caster. Donc c'est un peu fort, ce qui fait que tu peux totalement le jouer de manière viable en mid lane. Et t'as juste à littéralement appuyer sur R, sur les sbires, et tu deviens un monstre à peu près. T'obtiens tes 6 stacks très rapidement, et basiquement tu souffres pas autant que les autres mid laners du fait de pas avoir autant de gold qu'avant en mid lane. Tout intéressant, je pense. C'est dommage qu'ils soient moins joués actuellement qu'avant, notamment genre dans la saison qui a suivi le rework des items. Le cri sauvage. Ah oui, en plus, surtout que là maintenant en plus avec Shogat, t'as le bâton séculaire donc. Ah, quoique, est-ce que ça donne plus. Non, ça c'est plus chapitre perdu. Pas le problème. S'il y avait un chapitre perdu qui était dans le bâton séculaire, ce serait parfait, mais bref. Le cri sauvage donc. Les dégâts de base ont été augmentés de 25 au niveau 5. C'est nul à chier. Ok. Alors. Non, en vrai. Peut-être que ça va améliorer sa threshold de one shot de sbire. Donc encore une fois, peut-être un buff de Shogat mid lane à la limite. Mais en dehors de ça, c'est très très faible. Et par contre, oh putain de merde! Alors, au moins ils ont pas fait l'erreur d'augmenter le dé enfin, de réduire le dé de récupération au niveau 1. Déjà, ça c'est bien. Après, ça veut dire que potentiellement. Tu l'as une fois toutes les minutes, donc ok. Donc ça veut dire que tu l'auras forcément avant les. Tu pourras forcément R, genre, une minute avant le Drake. Genre un champion, ou R, un des sbires au cas où si t'as pas les 6 stacks. Ah non, c'est
un très bon buff. Alors après, bon, le R reste un outil, enfin un outil posi, enfin situationnel, pas situationnel, circonstanciel, on va dire. C'est-à-dire que tu ne le mets que lorsque tu as les bonnes circonstances qui sont arrivées à toi. C'est-à-dire que tu vas pas le spammer tout le temps, littéralement. Tu vas certainement l'utiliser une fois que tu es au corps à corps de ton ennemi et que tu peux le tuer, littéralement. Donc ça, ça veut dire que tu veux pas le foutre dès que tu l'as, basiquement. Donc c'est pas comme si c'était un énorme buff. Mais la question c'est, est-ce qu'avec suffisamment de réduction de compétences, est-ce qu'avec suffisamment d'accélération de compétences, je me demande si en late game, tu peux pas R deux fois par teamfight. Quand tu R dès le début, t'attends de full regen et derrière tu reviens, tu regoin. Y a peut-être moyen que dans des teamfights très étendus, tu puisses R deux fois par teamfight. Le fait est que ça va potentiellement le rendre assez chiant à jouer en lane parce que il peut, une fois qu'il a les 6 stacks de. Une fois qu'il a les 6 stacks de passif, il y a très forte chance pour que genre dès qu'il arrive à ton corps à corps, juste il te R en gros. Genre pour aucune raison. Et il te fait perdre genre du 1000 de dégâts physiques. Pas physique, lol, 1000 de dégâts bruts. Et il s'en fout parce que de toute façon il le récupère dans une minute basiquement. Parce que ça c'est sans compter l'accélération de compétences forcément, donc on peut conjecturer que au niveau 2 de l'ulti t'es déjà à 60 secondes. Donc ouais, un petit buff pour Cho'Gath, c'est rien d'énorme on va dire. Et je pense qu'il est, il reste plus viable en mid lane qu'en top lane, même s'il y a le super Heart Steel, cœur acier, c'est ça. Ça reste quand même un champion que je pense être meilleur en mid lane, en full AP. Pas en full AP mais en AP tank on va dire. Mundo, alors, qu'est-ce qui se passe? La résistance magique a été baissée, ok. La salle de croissance en résistance magique a été augmentée, ok. La salle de vitesse d'attaque de base a été baissée, ok. Donc la salle de croissance en dégâts d'attaque a été baissée aussi, ok. Donc il fait moins de dégâts, en général. Mais il a moins de résistance magique de base. Par contre, il augmente plus sa résistance magique dans le temps. Ok. À partir du niveau 6, c'est ça? Est-ce que c'est à partir du niveau 6 qu'il obtient... Il réobtient son truc? Non. À partir du niveau 9, il obtient... il retrouve son niveau de magie. Son niveau de résistance magique, je crois. C'est ça? Ou 10. 9 ou 10. C'est ok. Il va gagner un peu de résistance magique, mais il prend énormément de dégâts, quoi. La compétence passive fait que la perte de PV est... Pouah! Ok, d'accord. Très bien. Ok, donc la compétence passive est, comment dire, centralise moins son kit, dans le sens où elle te fait régénérer moins d'HP, mais elle te fait perdre moins d'HP. Donc, c'est une stat qui va pas autant avoir d'impact sur la barre de vie de Mundo. Donc, ça fait que peut très clairement, se passer forcément d'une utilisation optimale de son passif. Ça va le rendre un peu plus, comment est-ce qu'on appelle ça? Il va un peu plus pardonner les mauvaises utilisations. Et il va être un peu plus fiable, entre guillemets. Et le PV récupéré toutes les 5 secondes. Légèrement... Oh putain. Ok, donc c'est bien baissé. C'est ça. Ok. Donc c'est bien baissé en early game. Mais par contre, c'est bien augmenté en late game. Donc c'est un petit peu plus de scaling, ce qui est cool. Ok. Après, le problème, c'est que Mundo, c'est déjà un neutraliseur. Donc, s'il commence à avoir un scaling de fou, comment est-ce que tu le butes à part avoir un meilleur scaling que lui, en fait? C'est ça que je comprends pas. Mais bon. Alors, si souillé. Donc, le coût en PV passe de 50 à 60. Ok. Bon, on s'en fout un peu. Ça va légèrement augmenter les PV que tu perds si tu loupes ta Q-spell. Mais bon, normalement, tu vas les réussir, quoi. Généralement, les Mundo loupent pas très souvent leur Q-spell, mais c'est vrai que du coup, là, pour le coup, ça va être vachement moins pardonner les Q-spells loupés. Alors, défibrillateur, du coup, le coût en PV du Z a été augmenté, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. PV récupéré après ne pas avoir subi de dégâts sont de 50%. Ok. Ok, donc ça veut dire que si tu utilises ton Z et que tu peux en 0 dégâts. Tu récupères quand même des PV à la fin. Donc ça veut dire que pour le coup, le visage spirituel gagne énormément de valeur. Même s'il en avait déjà de toute façon avec Mundo, de toute façon, mais au moins ça donne pas mal de valeur parce que ça va lui permettre de régénérer encore plus d'HP même s'il subit rien. Les dégâts stockés en PV gris sont... ok, d'accord, non, ok, très bien. Ok. C'est dans les... ok. Donc c'est un...
C'est un sort qui est utilisé surtout comme une sorte de pari, plus que pour un sort de type. Oh, je pense que je vais prendre des dégâts à peu près là. C'est cool. Il va prendre, il va stocker vachement moins d'HP dans toute la durée du spell, mais vachement plus dans les 0,75 premières secondes. Donc, c'est plutôt cool, parce que ça va lui permettre du coup de. Comment dire? De mieux utiliser son Z et potentiellement esquiver des grosses phases de burst en activant son Z au bon moment. Donc, c'est cool. Par contre, il réduit sa durée forcément parce que. Ils considèrent que le buff qu'ils ont donné aux premières secondes est meilleur. Ok. Ok. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils mettent 0,75 première avec un S, seconde avec un S. Alors que avant on remonte plus haut, on est à 1,5 secondes sans S. Mais bon, bref. Bizarre. E contusion, donc les dégâts magiques, bonus passif. Tac, tac, tac. Donc, sont de 15 jusqu'à 35, plus 25 sur les PV manquants, à des pourcentages de PV max, qui est cool. Très cool. Désolé, excuse-moi. Ça permet de faire énormément scale Wundo en fonction des HP. Ça rend le Heartsteel et la poigne immortelle vachement plus fort sur lui, du coup, forcément. Alors, forcément, il faudra faire les maths. On va faire les maths à partir de combien de temps? Combien de dégâts? C'est à partir de quoi? À partir de 4,5, donc c'est à partir de 3000 H. Non, 1000 H. À partir de 1000 HP? Attends. Ça, c'est plus 45. Attends. Donc ça, c'est 35. Donc c'est 35 pour 4,5. C'est 1000 HP, ouais, c'est ça. Oui, donc ça va faire vachement plus de dégâts. Ça va faire vachement plus de dégâts, surtout en late game. Ok. Intéressant. Du coup, en HP, donc son. Donc il est de. Un peu augmenté, ok. On fout un peu, ça va. Pas trop la mort d'avoir un coup en HP un peu augmenté, surtout que tu vas pas l'utiliser aussi facilement et aussi rapidement, aussi souvent que ton Q-spell, on va dire. Le dé récupération a été légèrement augmenté de 1 seconde, ouais, on s'en fout. Et les dégâts supplémentaires selon les monstres ont été baissés. Ok, très bien. Je pense pas que ça va l'empêcher d'être diamant jungle. C'est juste que ça va le rendre moins fort en clear de jungle. Ça va. Donc bon, vu le scaling de fou qu'il a obtenu, en fonction de la stat qu'il va avoir tendance à privilégier dans toutes ses games, je pense que ça reste ok. Les PV manquants convertis en PV max, du coup, il passe de 8 à 15 à 15 à 20, 25. C'est cool. C'est très très cool, du coup. Alors ça veut dire que du coup, tu vas vouloir l'utiliser ton R qu'à la toute fin, du coup, c'est ça? Ok. Alors après, du coup, il n'y a rien qui t'empêche d'utiliser ton Z. Ouais, ton R lorsque t'as pas beaucoup d'HP parce que dans ce cas-là si t'as le. En fait, le fait de convertir les PV manquants en PV max, c'est pas quelque chose qui est affecté par l'hémorragie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de counter à ça. C'est juste est-ce que tu vas permettre à Mundo de survivre? Normalement il va pouvoir utiliser l'item avant de. Enfin utiliser l'ulti avant de mourir, donc ça devrait aller. Et du coup ça va être un peu compliqué à counter. Les méga soins au rang 3, les soins du R de Mundo sont augmentés de 5% par champion ennemi proche. Ok. C'est plutôt cool ça. Revitalize? Revitalize un jour? Est-ce que les gens prennent Revitalize avec Dr. Mundo? Non! Bah je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je suis désolé, je vais m'énerver, c'est pas normal. Pour un champion qui utilise autant ses heals, je suis incroyablement surpris que personne ne parte sur. Revitalize, mais bon, ok. Apparemment, les gens ont oublié que ça existait. Mais je rappelle que comment dire, tu peux gagner jusqu'à 10% de soins et shield supplémentaires lorsque tu es à moins de 40% d'HP et 5% de plus dedans. Donc, ouais, c'est basiquement comme si tu rajoutais une sixième personne dans ton héros en 3. Et le R n'octroie plus de dégâts attaque bonus. Ok. De toute façon, on s'en fout parce que maintenant sa capacité stack sur. Le E stack sur les PV max, donc on s'en fout basiquement. Donc en plus, ça c'est basiquement un stéroïde AD. En lui-même. Mais ça va être vachement. Ok. Les dégâts de Mundo vont plus être. C'est ça. Les dégâts de Mundo vont vachement plus être mono-cible qu'avant. Qui sont plus. Bah, ils ont toujours été mono-cibles, en vrai, vous allez me dire. Bon, ils ont toujours été mono-cibles. Je raconterai n'importe quoi. Ok.
Donc ouais, c'est cool parce que du coup, en fait, ils donnent à Mundo des outils de scaling qu'ils n'ont pas donné à Mumu. C'est un peu bizarre du coup. C'est-à-dire du scaling en fonction des stats qu'il va utiliser, c'est-à-dire enfin, des stats qu'il veut vouloir obtenir au cours de la partie, donc les HP. Et également des stats qui, basiquement, sont intéressantes de toute façon, peu importe la partie, peu importe le moment de la partie, et qui ont tendance à être vachement plus élevées du coup en fonction après qu'il ait level son spell. Spell, du coup, ça veut dire qu'il est vachement plus fort en top lane, du coup. On verra, mais normalement, ce serait plus. C'est ça. Ce serait plus un buff pour le mono top lane que le mono jungle, surtout avec le nerf sur les dégâts supplémentaires contre les monstres. Bah, faudra tester en vrai, mais c'est vrai que Mundo avec Heartsteel, avec Warmog et avec Visage Spirituel contre des AP, ça a l'air d'être plutôt rigolo. À tester, à tester, à tester. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à Xante. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Xante? La régénération de base des HP a été augmentée, la résistance de croissance en HP a été augmentée, le résultat est ajusté. Okay. Donc, le stade de croissance de base de régénération des PV a été augmenté, donc c'est cool, plus 1, c'est ok. C'est ok, c'est ok, ça va permettre d'avoir une phase de lait un peu plus, on va dire, fiable, encore une fois. Un peu plus forgiving, je sais pas comment on dit, un peu plus pardonnante. Ça m'a pas l'air d'être un mot qui existe. Mais ouais, en tout cas, tu vas pouvoir te permettre plus d'erreurs lorsque tu joues Xante, donc c'est plutôt cool. Ça de croissance en HP a été légèrement augmenté, c'est cool. En vrai, un petit 4x17, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Donc, quand je regarde Forgiving en anglais, s'il n'y a pas une... Non, pardonnant, ça existe, ok. Pas très bien. Indulgente. Indulgente, c'est pas dégueu. Ah, indulgente, c'est mieux. Ok. Bref. Et jeu de jambes, donc, réinitialisation des attaques auto. Alors, le réinitialise désormais partiellement les attaques automatiques de la forme de base de Xante. La régénération est totale pour la forme grand jeu. Hein? C'est-à-dire quoi, ça? Comment ça, partiellement? Écoutez, je vais devoir regarder parce que j'ai absolument pas je connais absolument pas la différence entre la régénération des attaques partielles et totale. Mais, what the fuck? Je suppose que ça cancel l'auto-attaque, mais que tu dois quand même attendre ça. Et que par contre, le truc est total dans le sens dans le rejeu, dans le sens où dès que tu mets l'auto-attaque, ça fait les dégâts, tu peux instantanément E et ton auto-attaque est déjà reprête. C'est ok, ça permet de gagner un peu plus. J'aime bien c'est un petit coup, c'est un petit truc cool parce que la plupart du temps, c'est rare que Riot augmente le skill ceiling du champion, qui ajoute des moyens de skill expression basiquement dans le jeu. Généralement, ils ont plutôt tendance à les enlever en fait. Et c'est plutôt cool d'en ajouter. Ça pour le coup, c'est assez rare pour être souligné. Et que Xante est très proche de survivre à travers un mur, il traverse désormais ce mur. Ok, très bien, merci. Ça, littéralement, ça c'est pour rendre le mouvement de Xante plus indulgent. Voilà, on peut le dire clairement. C'est clairement ce genre de... Ok, c'est clairement le genre de truc. Alors, ça va être très sympa pour les gens qui ont envie d'optimiser Xante au maximum. Et ça, et surtout ça, ça va l'aider à être un petit peu nul. Enfin, un petit peu moins nul pour les gens qui savent pas le jouer à son maximum, quoi. Parce que le problème de Xante, ce que j'ai l'air de voir et de constater à travers les games que je fais et les games que je vois dans les très 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 hauts elo, c'est qu'il y a une énorme différence entre les gens qui le top 5% de Xante et le reste de Xante. Et c'est un truc qui a rarement été aussi drastique dans un champion. Parce que là, on est vraiment sur un champion qui est extrêmement punissable ou punitif du côté du joueur qui le joue à partir du moment où tu n'utilises pas de la manière la plus optimale possible. Ce qui fait que ça rend le personnage extrêmement dur à jouer. Et souvent tu vas avoir des Xante qui vont se retrouver en 0-3, 0-4 à genre 20 minutes de jeu. Et tu sais pas pourquoi, juste ils perdent le 1v1, je comprends pas trop pourquoi. Donc ouais, alors après je sais pas si c'est forcément un truc qui est solvable, à moins de fondamentalement changer le kit du personnage. Notamment parce que les gens doivent s'habituer au fait de pas faire autant de dégâts avec lui, de jouer la phase de lane plutôt de manière passive plutôt que d'essayer de foncer un peu, alors qu'eux ils ont 14 000 dash. Et surtout de savoir utiliser les très très bons patterns de Xante à leur avantage plutôt que de balancer ses sorts pour aucune raison et sans vraie réelle raison apparente parce que c'est là que tu vas te faire punir le plus facilement.
peut dire ça de tous les champions, hein, mais c'est spécifiquement punitif dans le cas de santé. Donc ouais, si vous voulez le jouer, jouez-le beaucoup. Et essayez de commit sur lui plus que, plutôt que de juste le jouer pour le jouer. Quoi. Alors, Kassadin. Kassadin. Le bouclier de base a été augmenté du Q-spell, du coup, je suppose. C'est ça, le A, ok. Le ratio de puissance du bouclier a été réduit et le ESG ajusté, ok. Les PV du bouclier ont été augmentés légèrement, mais ont moins gros ratio de puissance, d'accord. Donc ça augmente la version tank de Kassadin. Le bouclier est octroyé quand le Brojiti du A quitte la main de Kassadin. Mais maintenant, il est octroyé quand le A est activé. C'est cool, ça. C'est pas quand le... Ok, donc ça, c'est très très cool. Donc... Ils ont amélioré la frame data de Kassadin. Je savais pas que j'allais dire ce mot un jour dans un jeu qui n'est pas un jeu de combat. Mais en gros, comme l'attaque sort plus vite, enfin le bouclier sort plus vite, tu vas pouvoir tanker plus facilement les capacités que tu veux tanker. Donc c'est vraiment cool pour le coup. Avant, tu peux être bloqué dans l'animation de lancer de la boule de Kassadin, ce qui fait que... La sphère de Kassadin. Ce qui fait que y a un spell que t'as prévu de tanker que tu tankes pas finalement parce que tu l'as activé légèrement trop tard. Donc avec ce changement... Maintenant, bah, c'est pour rendre le champion plus indulgent, basiquement. Et aussi pour le rendre plus fiable, dans le sens où tu vas pouvoir... tu vas augmenter le pourcentage d'interaction que tu vas pouvoir shield le spell. Donc c'est plutôt cool. Notamment, ça va te permettre aussi de shield des spells que tu pouvais pas shield avant parce que le temps de réaction était trop demandant, on va dire. Notamment, j'ai trouvé, je pense, les Q-spells de Sinnoh, par exemple. J'en profite pour dire à 41 minutes de vidéo que si vous entendez des coupures très souvent, c'est que je me mouche, hein, basiquement parce que je suis très malade. Mais ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pulsation, du coup, le E. Donc le dé de récupération. Wow! Wow! Ah ouais! Oui, on ne nécessite plus un certain nombre d'effets cumulés pour le lancer. Ah ouais, donc on a juste changé le spell. C'est juste plus le même spell. Ok. Les combats dans sa ligne, ennemi est lancé près de Kassadin, une seconde. Ah! Ok. Ok. Est-ce que c'est fort? C'est un buff. C'est 100% un buff. Okay. En gros, comment dire? Le E pulsation, du coup, maintenant a un cooldown global qui est juste réduit pour chaque utilisation. Au lieu d'avoir nécessité d'avoir certains sorts lancés pour être utilisés. Donc par exemple, les match-up où tu es contre des champions qui n'utilisent pas tellement leurs sorts que ça. Des champions avec pas mal d'auto-attaqueurs, des champions genre 7 par exemple. Et encore 7 utilisent pas mal des compétences, mais vachement moins que pas mal de personnages. Notamment dans les phases de lane un peu nulles. Les AD carry aussi notamment, en top lane ou en mid-lane justement. Qui n'utilisent quasiment jamais leurs compétences. Les champions genre Victor par exemple, qui utilisent très 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 rarement leurs compétences à partir du moment où ils ont la threshold de dégâts du E. Et où du coup ils utilisent un E par wave, et puis c'est fini. Et ouais, du coup ça veut dire que avec suffisamment d'ability haste, t'as plus trop besoin de cette capacité passive. Donc c'est plutôt cool en vrai. Ça va le rendre meilleur en late, très meilleur, bien meilleur en late d'ailleurs. Et ça va le rendre utilisable dans pas mal d'occasions différentes. Et surtout, ça va pas te demander, des conditions aussi précises qu'avant pour pouvoir être lancé. Donc c'est vraiment pas dégueu, je pense. Je pense que c'est bien de changer les leviers de la compétence sans forcément, changer l'identité de la compétence. C'est-à-dire que oui, c'est cool d'avoir rajouté ça plutôt que de juste être en mode « Ok, on va te donner genre 15 secondes de récupération sur ton E, mais par contre, on enlève ton passif nul, là, bizarre. » On garde l'identité du sort grâce à ce passif-là. Mais par contre, on change le sort pour qu'il soit plus genre... il demande plus à être lancé. Cool. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse exactement la même chose sur l'ulti de Shyvana, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très très sympathique. Voilà. C'est-à-dire qu'on enlève la barre de merde de fureur de Shyvana. Par contre, on fait en sorte que les manières qu'elle avait avant de charger sa barre, ce soit des trucs qui réduisent le dé de récupération de son ulti. Au lieu d'avoir cette espèce de double système de cooldown et de barre de vie, de barre de fureur. Donc voilà, j'attends juste ça dans le prochain patch sur Shyvana, mais en dehors de ça, je pense que c'est un bon buff.
Un bon buff d'ailleurs sur Kassadin tank hein, d'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais Kassadin Séraphin. Comment on appelle pas Séraphin. Kassadin. Comment on appelle, comment on l'appelle, comment on l'appelle. Bâton séculaire, Fimmelwinter. Pas dégueu, hein. Pas dégueu ce qui se passe là actuellement là. Le personnage va être plutôt sympathique. Hein. Là après il peut partir full tank et la vie est plutôt belle pour lui. Hein. Donc. J'ai hâte de voir un peu comment est-ce qu'ils vont être faits. Il y a certainement deux types de Kassadin qui pourront être joués. Donc on va voir, mais les deux m'ont l'air plutôt intéressants. Mais c'était censé être un buff ou un nerf à la base, ça. Ah, justement, ok, parfait. Parce que pour moi, c'est un buff, mais... Okay. Très bien. Gain. Alors, la compétence passive. Donc les dégâts supplémentaires d'Assassin de l'Ombre ont été augmentés. En effet. Wow, en effet. Et le ratio des attaques du. En fait, si vous voulez, c'est le genre de. Alors, je comprends. La forme bleue de Kane est vachement moins bien que la forme rouge de Kane actuellement. Mais. Est-ce que c'est pas ce genre de buff qui font qu'on va peut-être avoir besoin d'un deuxième patch de durabilité en fait? Parce que, bon, là, on en est quand même sur. Là, on a quand même gagné 10. Il a quand même gagné 10% de dégâts, quoi. C'est pas dégueu en vrai. Et je me dis que bon, est-ce que t'as vraiment besoin de lui donner autant de dégâts que ça? Je sais pas. Est-ce que c'est pas possible de lui donner juste des dégâts en fonction de PV manquant? Je comprends pas, enfin je sais pas. Bref. Récupérer en entrant dans le terrain. 90, 100, 110, 120, 130. Ah, 90, 100, 120, 130. Plus 45% des dégâts d'attaque bonus. Ok. Bon, il va se régénérer un peu plus, on s'en fout un peu, parce qu'en vrai... En vrai, de vrai, Kayn n'a pas souvent l'occasion d'utiliser toutes ses barres d'HP quand il est en forme assassin. Il va toujours surtout poke d'ailleurs. Avant de tenter un go-in et de one-tap la cible. Donc ouais, généralement ça va surtout être pour le clear de jungle, certainement pour le faire légèrement gagner en vie à partir de son premier bac du coup. Et en dehors de ça, ouais, pas fou. Mais ça, c'est ça, j'ai peur en vrai. Hein. Là j'ai très très peur. Et vu qu'on est en train de le faire sur tous les personnages, ça fait un peu peur. Lilia, les dégâts de base du A ont été réduits. Alors les dégâts magiques du A, donc 35 jusqu'à 95 à 40-80. Ok. Donc ils augmentent ses dégâts de base au niveau 1, mais ils les diminuent au niveau 5. Ce qui est, je pense, la meilleure chose à faire. Lilia est vachement broken actuellement et c'est bien de réduire ses dégâts de base. Bon alors c'est en moins 15, hein, c'est pas non plus... Ça reste fort. Hein. La source de dégâts principale de Lilia, c'est pas particulièrement ses sorts, c'est son passif, mais bon. Ça reste ok comme nerf à tous les rangs, donc c'est cool. Enfin, pas à tous les rangs, mais à partir du niveau 3. Et les dégâts bruts en bordure de la zone, par contre, lui, eux, ont été pareil. Ah, pareil. Ok, d'accord, c'est littéralement pareil. Très bien, génial. Génial, c'est cool. C'est un bon nerf. Elle va peut-être perdre, quoi, 2% de win rate. Point. Mais voilà. Le personnage reste fort dans les moments où il est fort, c'est juste qu'il sera pas broken quoi. D'ailleurs, Lilia, c'est combien de winrate sur le patch actuel? Juste pour qu'on rigole, viteuf. En platine plus. 53, ok. Ah, ok. En diamant plus? 52, 478, ok. Master plus? 55, ok. Ok. Mais ouais. En master plus, ça compte pas autant. Qu'en diamant plus, on va dire. Je pense que diamant plus, c'est vraiment le sweet spot que je vais prendre maintenant. À partir de maintenant, plus que le master plus. Parce que les masters ont souvent l'habitude de jouer contre des diamants. Donc ils ont tendance à avoir pas mal de win rate en plus. Et avoir plus de 50% de win rate sur la plupart des champions. Mais bref. Ok. Malphite. Les dégâts de base et le ratio d'armure ont été augmentés. Le coût en mana n'augmente plus avec le rang. Ok. Donc les dégâts magiques. Tac tac. Donc c'est. 200 plus 60% plus 30 à 230 plus 60 plus 40. Ok. Donc ça augmente basiquement déjà Malphite à tous les rangs. Tous les postes. Donc Malphite mid, Malphite top, Malphite support. Malphite support. Effectivement. Et Malphite jungle. Et du coup, par contre, ça augmente ça. Ouais, ok. Et ça, ce ratio, c'est un bon gros buff de Malphite tank. Ça va être très, 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 très rigolo, ça. Alors après, Malphite est toujours fort dans les moments où il est fort. Enfin, hein,
Généralement, dans les games où il va être broken, il va être broken, hein, ça c'est sûr, mais vous commencez à le jouer partout, on va pas s'en sortir. Et par contre, du coup, le fait que le coup mana baisse énormément comme ça fait un énorme buff. C'est incroyable à quel point ça fait genre le quatrième buff d'affilée de Malphite. J'espère que les gens vont commencer à se rendre compte d'à quel point il est fort un jour, mais bon. Surtout avec le nombre d'items maintenant qui donnent de l'armure, qui donnent que de l'armure. Que du coup maintenant ça lui permet de prendre un mythique qui donne que de l'armure et donc de pas avoir à prendre un mythique qui te donne de l'armure et de la résistance magique alors que t'en as pas forcément besoin. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Surtout que du coup Thornmail gagne de la valeur, bref, c'est un très bon, une très bonne méta. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que Malphite a un winrate aussi dégueulasse. J'espère que c'est pas parce que les gens le piquent dans à peu près n'importe quoi et espèrent s'en sortir avec. Ou qu'ils le jouent en mode lane bully alors que c'est pas censé être un lane bully. Mais bon. Mais bon, on verra un peu, on verra un peu. Donc, ensuite, on a Maokai. Alors, et sur la combinaison passive ont été augmentés, ok. Le Hal et les dégâts de base ont été augmentés, ok. Et entre les monstres ont été augmentés, ok. 4,34 plus 4, 10 plus 4, qui arrive à 4,34 plus 4, 12, ok. Gros buff pour la top lane, un peu pour la jungle. Et pas de fou pour le support. Okay. Dégâts de base. Ok, ça fait beaucoup de dégâts de base, ça, parce qu'en plus ça tape en fonction du PMA, donc on n'a pas besoin d'avoir des dégâts de base comme ça, mais ok. Après, ça reste assez faible en early, donc c'est pas si fou que ça, mais ok. Ok. Je suis en train de regarder, je suis en train de regarder. Ok. Mais ça reste des dégâts plutôt fous hein, en vrai. Hein. Au niveau max. Donc c'est la capacité que tu max avec ma Maokai maintenant. Donc c'est vraiment vraiment très fort. Notamment contre des champions assez squishy. Qui du coup n'ont pas énormément de PV max. Le fait d'avoir des PV, des dégâts de base supplémentaires vont être assez cool. Surtout contre sur Malphite, enfin Maokai support. Et dégâts supplémentaires contre les monstres ont été augmentés. Ok, donc Maokai jungle pour qu'il soit reste un peu viable. Ok. Donc vous vous rendez compte à quel point les gens parlent de méta tank, mais on voit que ton buff tout Riot a tendance à buff tous les tanks d'ailleurs. Après on pourrait aussi nerf la BOTRK, mais ça c'est pour un autre débat. Hein. Je pense c'est ce sera pour un autre débat, je suppose. Mais sinon ouais bon très bon buff de Malphite, enfin de Maokai. On va voir un peu comment est-ce qu'il va terminé, mais bon, il a l'air d'avoir un winrate plutôt ok, on va dire. En support, ça reste l'un des supports engage les plus intéressants, mais par contre, il a un winrate négatif sur la jungle et la top lane, donc ok, plutôt intéressant. Après, les gens partent sur Liandry, quoi. Les gens partent sur Liandry en jungle, bon, vous vous foutez un peu de notre gueule, quoi, à peu près. Et ils partent sur Heartsteel alors que Jakcho est meilleur. Ok, bah ouais, bon, bah écoutez. Après, si les gens partent sur les pires items de la planète aussi, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ils font Fimbul Winter en troisième item. Bah ouais. Bah ouais. Clairement, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, ouais, en effet. Ouais, je pense que t'as besoin. En fait, non, c'est pas tellement que le problème de prendre Fimbul Winter en troisième item, surtout que. En fait, les gens apparemment font Heart Steel into. Into Cap Solaire, into. Into Fimbul Winter, mais ça n'a aucun sens. Du coup, t'as genre pas assez de résistance par rapport à ce que tu donnes. Donc, si tu faisais Jakcho en deuxième et Sunfire en premier, ta vie elle serait pas genre 14 fois meilleure. Bref. Non, mais les gens savent toujours pas comment. Bref. Essayez de bien jouer Maokai. Essayez de bien build Maokai peut-être avant d'essayer de le jouer dans les lanes. Et peut-être que comme ça, on arrivera à un moment où c'est pas une méta où les tanks sont nuls à chier. Bon, Kaiser. Alors, les dégâts max contre les monstres passent donc. Ok, donc ils ont nerf mort de Kaiser. Ils ont nerf mort de Kaiser donc, en jungle. Ouais, il était légèrement fort, mais c'était pas plus fort que tous d'autres junglers en vrai de vrai. Ah mais il y a Jakcho! Ah oui c'est vrai, il y a Jakcho! Ah, 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 ah. Bah oui.
Okay. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois un winrate anormalement supérieur, c'est parce qu'un champion but Jack Shaw. Ah, c'est rigolo ça. C'est très rigolo. Bref. Excusez-moi, est-ce que je pourrais revoir viteuf? Désolé pour le widescreen. Est-ce que je pourrais revoir viteuf le notch de page 12.22 viteuf? Histoire de. Ah ouais, ok, non, c'était juste pour. Okay. Shyvana donc. Alors, souffle de flamme, ok. Attaque de base renforcée contre les ennemis marqués. Ok, très bien. Donc ils ont certainement diminué le. Ouais. Ils ont éliminé. Ok, c'est ça. Ils ont éliminé un peu de dégâts sur contre les camps de la jungle qui ont énormément d'HP supplémentaires avec les changements qu'ils ont fait sur les camps. Parce que tous les camps ont plus d'HP maintenant. Et aussi sur les tanks, du coup, qui ont tendance à avoir vachement plus d'HP avec Heartsteel. Alors que Heartsteel est pas si fou. Ok. Cyan, les mana de base a été augmenté, la salle de croissance mana a été augmentée, le dégâts de base du pass du 1 a été augmenté, ok. Ok, donc c'est cool, ça donne une meilleure gestion de lane, ce stade de croissance de mana sont un peu intéressants, et les dégâts de base sont un plus 10. Bon, c'est clairement pas suffisant, pour Sion. Clairement pas suffisant, mais ça reste quand même plutôt cool pour lui, écoutez. De toute façon, en vrai, tous ces buffs de tank... faudra les minorer en fonction de ce qui se passe avec Hydrovora, c'est ce qui se passe avec BOTRK, basiquement. S'ils décident de nerf BOTRK au prochain patch, on va voir un peu comment est-ce que la méta-tank va se dévoluer, mais les gens qui attendaient la méta-tank, pour l'instant, sont un peu déçus. Et j'ai hâte de voir si le nerf des items un petit peu trop forts actuellement en termes de DPS... va impacter un peu cette méta et son explosion à retardement. Syndra, alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont enfin nerf Syndra, c'est ça? Ok, dégâts supplémentaires du Zen ont été réduits, 15 à 12%, ça reste très fort. Ah, ils ont bufflé. Ils ont bufflé dégâts toutes les sortes de puissance. Est-ce que vous savez que Syndra a 300 d'AP très très vite? Parce que c'est... Ouais. Syndra a 300 d'AP très très vite, vous savez. Donc c'est un buff. Très bien. Alors, raid des récupérations légèrement baissé, ça n'a aucun intérêt. Peut-être qu'il y a des teamfights, tu pourras pas l'utiliser 3 fois ou 2 fois. Mais bon. Ça n'a pas fondamentalement changé le nombre de fois que tu utilises ton E. Ça va certainement être 2 fois, basiquement, dans le teamfight. Ça reste ok. Et les dégâts magiques ont été légèrement diminués, mais c'est pas le E qui faisait les dégâts magiques les plus forts, donc on s'en fiche un peu. Après, le nerf en termes de ratio AP est assez conséquent, sachant que c'est sa source principale de dégâts, c'est ratio AP, enfin, ratio AP, et du coup, son montant d'AP qui a tendance à devenir astronomique très rapidement. Donc, c'est un nerf conséquent, cette partie-là. Le reste est un buff. Je pense qu'elle est à peu près... elle est à peu près au même spot qu'avant. Ah, donc... Je pense que c'est toujours le meilleur mid laner du jeu actuellement. Donc, si vous voulez gagner du elo rapidement, bah jouez Zed ou Syndra. En gros, jouez Zed ou Syndra. Voilà. Alors, Tamkench. Combien passive? Un ratio de puissance a été ajouté. Le ratio de puissance a été augmenté. Les soins personnels ont été augmentés. Le Z, le ratio de puissance a été augmenté. Ok, d'accord, putain, ils ont fait. Wow! Allez, vas-y, balance. Donc, les dégâts magiques supplémentaires, l'impact avec le A. Donc, ils augmentent ça en fonction de la puissance. Très bien, personne ne prend de puissance avec Tamkench. Ça dégage. C'est... Ouais, personne ne prend de puissance avec Tamkench. Ça n'a absolument aucun intérêt. Attends. Hein? Plus 2% de votre puissance tous les 100 PV bonus? Hein? Quoi? Ils ont un ratio AP qui augmente en fonction des HP? Hein? Ça n'a aucun sens. Maintenant, on a des ratios qui influent sur les ratios. Eh ben, putain de merde. Ok. Étreinte démoniaque, du coup, je suppose. Hein, étreinte démoniaque, hein. Ouais. Étreinte démoniaque, du coup. N'hésitez pas. C'est dans la poche. C'est complètement gratuit. Mais ouais.
Ok. Coup de langue. Dégâts magiques. Ah non, merde, attends. Non, c'est ça, hein. C'est pas... Écoutez, niquez vos races. Coup de langue, ok. Dégâts magiques, donc 80 à 280. 80 à 200... Ok, donc plus 10... De... Arrêtez de donner un ratio d'AP. Arrêtez de donner un ratio AP à Tam Kench. Il ne prend pas d'AP. Arrêtez, pitié. Putain de merde. Je comprends pas. Je comprends pas ce truc. Bref, ok, très bien. Sur un personnel, d'accord. En fonction des paiements en camp, génial. Ça, c'est toujours en fonction des paiements en camp, donc c'est toujours de la merde. Volonté abyssale. Parce que de toute façon, en fait, les paiements en camp sont tellement situationnels dans un tank. Quoi, c'est, en plus, les chiffres sont tellement nuls à chier. Enfin. Oh, c'est nul, c'est tellement nul. Faites ça en fonction de PV max et là, le champion devient un vrai champion, quoi. Mais là, en dehors de ça, c'est fou. Bon, j'avis ça, les dégâts... Mais arrêtez de... Putain. Mais on s'en fout, wesh. Arrêtez de donner des ratios AP à Tam Kench. Ça ne sera pas un champion AP, arrêtez. Ça n'existe pas, ok. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit, en fait? Vous pouvez donner les ratios AP, genre 200 de ratios AP sur son... Sur son Z, si vous voulez, ça n'aura absolument, absolument aucun impact sur le champion parce que le personnage ne build pas d'AP. Et s'il build de l'AP, c'est pas comme si ça fera des dégâts de fou furieux. Le Z, de toute façon, tu le touches quasiment jamais, donc bref. Donc, peau épaisse, du coup. Dégâts stoppés en PV gris, ok. Donc, c'est 13,45 à 15,47. Donc, c'est cool. Ça le fait tanker un peu plus. Au moins deux champions ennemis. 42, ok, donc il gagne un peu en early game. Ok. Phase de lane légèrement meilleure pour lui, pourquoi pas. En support surtout. Dévoration, dégâts magiques de 100 à 400, 100 à 400, 15% d'épée max de la cible. Non mais je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Tam Kench est le support, hein. Donc il ne peut pas avoir un enchanteur dans sa team qui va lui donner de la paix avec le staff. Ou alors il joue en top lane avec un healer, mais personne ne joue top lane Tam Kench avec un healer. Ça n'a pas de sens. Les deux champions ne synergisent pas ensemble puisque Tam Kench prend déjà des shields et de la régène d'HP. Donc si tu prends l'hémorragie, tu counter les deux. Bref. En gros, c'est de la merde. En gros, arrêtez de donner des ratios AP à Tam Kench, donnez des ratios en fonction des PV max. Ou alors en fonction de résistance, mais pitié, arrêtez. Bouclier dure 2,5 secondes après la fin de la dévoration. Perd 50 PV tous les 0,5 secondes après la fin de la dévoration. Ok. Est-ce que ça va durer plus longtemps? Oui, ça va durer jusqu'à 4 secondes, c'est ça? Ah non, 0,5. Ah. C'est 100 PV par seconde, du coup, c'est ça? Donc c'est 4 secondes. 4 secondes minimum. Ah non, ça c'est dégâts magiques, c'est pas le bouclier. Oh, quelle vie. Le bouclier, c'est combien? C'est 905. Ouais. Là, c'est un shield qui va être intéressant. Là, on discute. Là, ça rend le champion viable. Là, c'est un shield qui va effectivement être tapé. Il va être utilisé. Ok. Parce que là, franchement, si tu perds vraiment 50 HP toutes les 0,25 secondes, ça veut dire que tu perds 100 HP... Non, 200 HP. Ah, c'est 200 HP toutes les secondes. Ah, j'ai rien dit. Donc, c'est 4 secondes pour le... C'est 4 secondes de base pour le R1 au niveau 3. Donc, c'est un buff en late game, sachant que ça compte pas les 150% d'AP. Mais ça, on s'en fout, comme je l'ai dit encore une fois. Je prends pas d'AP. Après, peut-être que il y a... on sait jamais. Peut-être que là, on va avoir un Tam Kench AP qui va arriver. Tam Kench first item hydro... Enfin, être un démoniaque. On sait jamais, hein. Mais j'en doute fort. Hein. J'en doute vraiment fort. Hein. Après, Demonic Embrace avec Heartsteel, on peut discuter, on peut négocier. Après avoir stacké 46 000 stacks, mais... Je suis vraiment, mais vraiment, vraiment pas motivé. Je suis vraiment, vraiment pas convaincu. Hein. On verra. Trundle, la vitesse d'attaque de base a été réduite et dégâts du R ont été réduits. Ok. Bon, bah, un nerf flat. Est-ce que ça va empêcher Trundle d'être viable dans l'espace où il est viable? Non. Est-ce que ça va le rendre moins dominant, là, son Halo? Bah, on va voir.
Bundle. 53% de win rate en diamant plus. En jungle, il est 34ème. C'est pas comme si c'était le meilleur du champion de son de catégorie. Donc bon. C'est ok, on va dire. C'est ok. Est-ce qu'on a le win rate en fonction de la durée de la partie? Ça. Donc le pic de win rate. Le pic de win rate, c'est à 20-25 minutes et à 35-40. C'est fou. Mais ouais, ok. Il a exactement, genre, il a 55% de chance de win rate à 20-25 et à 35-40. Mais c'est des gros pics, enfin c'est des gros creux hein, à 15-20 et à 30-35. Ok, intéressant. Très intéressant. Bon bref, toujours viable dans les spots où il est viable et toujours pas viable dans les spots où il est pas viable. Donc ça a pas tellement changé comment est-ce qu'on joue Trundle. C'est juste qu'il serait un peu moins plébiscité tout le temps, un peu moins polyvalent, on va dire. Ok, alors là par contre, on arrive sur un énorme cas. Là, il y a deux paragraphes, et même si ça fait déjà 1 heure de vidéo, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu plus de temps sur Yumi, parce que je vais certainement sortir une vidéo sur elle dans pas longtemps. Alors, Yumi a réussi à être à la fois l'un des champions les plus frustrants et les plus populaires, c'est la jouée du jeu. Alors, ça, on va juste vérifier vite, parce que là, le pick rate, j'y crois pas du tout. 11%, non, si, quand même, 11% diamant plus, ok, en overall, il est combien? 8%, ça reste énorme, en vrai. 8% des games, ça reste énorme en vrai, de vrai. Ça reste énorme, énorme. Tac. En support, elle en est à où? Ouais, c'est troisième. Troisième du jeu. J'ai rien dit, c'est énorme. 1 million de games sur le patch 12.22. Pas dégueu. En tout cas, sur l'Olytics. Nous pensons qu'il existe un monde dans lequel Yumi peut garder le thème de son gameplay tout en étant moins frustrante à affronter. Lors de ce patch, Yumi reçoit donc un nerf important pour répondre à la frustration qu'elle engendre et pour réduire sa puissance au niveau élite et pro. Ce n'est toutefois pas une solution à long terme. Nous avons commencé à travailler sur une refonte plus importante de Yumi pour aider le petit chat à trouver sa place dans la faille. Le but sera de montrer ce que Yumi peut faire pour son équipe en tant qu'enchanteur attaché à un chandelier et impossible à cibler. Bon. On part sur des bases de merde déjà, mais on va voir. Notre but initial sera donc de réduire le nombre de contrôles agressifs qu'elle peut faire, tout comme leurs dégâts. Concentrer sur les aspects plus défensifs enchanteurs. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, c'est très rigolo. Mais ok. Nous réduirons ses ratios pour la rendre plus dépendante de la victoire sur sa voie pour remporter les parties. Mais elle a déjà une phase de lane de merde. Pourquoi est-ce que vous voulez la rendre encore plus faible? Parce que si elle est dépendante de la victoire dans les phases de lane alors qu'elle a une phase de lane de merde et qu'elle est là surtout pour tanker en early game. Bref. Nous vous en dirons plus sur cette mise à jour prochainement, mais en attendant, nous vous remercions pour votre patience. Ok. Bon, c'est intéressant parce que du coup, j'étais parti pour faire une vidéo sur pourquoi il faut rework Yumi. Mais clairement, vu ce qu'ils sont en train de nous dire sur Yumi, je vais définitivement devoir quand même en faire une. Certainement parce que. C'est certainement que je vais la titrer, l'appeler comment Rayoyot doit rework Yumi. Et pas pourquoi, parce que du coup ils veulent le faire. Ils savent qu'ils doivent faire un rework sur Yumi, donc je suis d'accord sur ça. On va voir ce qu'ils ont fait maintenant à court terme. Alors le degré de récupération de compétences passives a été augmenté, on n'en a absolument rien à foutre. Et la durée d'immobilisation du R a été légèrement... ça fait absolument rien quoi. Ça ne fait absolument rien. Donc, du coup, on va dire que c'est... D'ailleurs, c'est le moment de dire que Yumi a, basiquement, l'un des banrates les plus forts du jeu avec Morgana. Skrank. Ça, c'est dans le top 3 des bans en support. 21% des games où Yumi est ban. Sachant qu'elle a que 47% de winrate. 48. Je parle en all rank, bien sûr. Voilà. Donc c'est juste pour dire que voilà, le personnage est assez rigolo. Par contre, quand on est à moitié team plus, ça monte à 36% de ban. Voilà. Et elle devient top 1, du coup, en support. Alors qu'elle est toujours à un winrate négatif. Donc c'est vraiment des stats particulières avec Yumi, parce que c'est un champion qui est pas si fort que ça tant que t'es pas en très très haut elo.
Et par contre, quand tu arrives à Wello, à très Wello et au niveau et au Master, c'est là où elle commence à avoir un win rate positif. Et par contre, elle a quasiment une ban une game sur deux. En Master Plus. Donc voilà. Vous voulez que je dise de plus? Les gens n'aiment pas Yomi et ils la détestent tellement qu'ils préfèrent la ban même quand elle est moins forte et qu'ils ont littéralement plus de chances de gagner si elle est pique en face. Donc bon, ben voilà quoi. Le champion est dans un état très déplorable, un état où soit elle est broken parce qu'elle heal toute son équipe, enfin tout son. Elle heal son porteur de manière assez infâme, qui fait qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut dans la game, parce que son healer sera jamais target. Ou alors elle fait autant de dégâts que son midlaner, quoi. Alors qu'elle est inciblable. Donc je comprends pas trop comment est-ce qu'on peut faire pour changer Yuumi. Moi, pour moi, la technique qu'est en train d'employer Riot sur Yuumi est, selon moi, une mauvaise technique. Et j'ai déjà des pistes pour essayer de faire en sorte que Yuumi soit moins frustrante à affronter. Mais ça va demander pas mal de choses et ça va demander pas mal de rework. Mais en réalité, c'est pas des changements si complexes que ça à mettre en réalité. Et je pense que rien que des quelques changements vont certainement pouvoir rendre vachement moins frustrante à jouer et à affronter. On verra ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, j'ai des pistes. Zach, les sons de la compétence passive ont été augmentés, le récupération du Q spell a été réduit et le ratio de PV a été augmenté. Ok. Donc, le division cellulaire, les soins par bout de matière gluante sont à 4 à 6%, de 4 à 7%. Pff, ok, c'est ok. Ça reste ok. C'est pas un gros changement. Le dé récupération du Q spell a été légèrement baissé, ça, une seconde à tous les rangs. C'est ok. C'est pas incroyable non plus. Dans le team fight, ça va certainement pouvoir être potentiellement différence entre l'utiliser deux fois ou trois fois, mais en dehors de ça, pas fou. Les dégâts de base vont être légèrement. Ouais, ça va être augmenté en fonction des PV max, donc ça pour le coup c'est très très bien. Parce que c'est ça qui a basiquement que les PV max comme truc, donc c'est très très cool. Non, je m'attendais à ce qu'il soit pique. Bon, s'il est là, il est pique en support. Il a 53% de win rate en Master Plus, mais comme je l'ai dit, ça n'a pas trop trop d'intérêt. En plate plus, il a combien? Il a 48, ok. Donc c'est pas un pick viable en support. En jungle, 47. En top lane, 50. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment fou. Hein. Donc ouais, on va voir. Mais du coup, il prend pas Heart Steal. Et quand il prend Heart Steal, il est à un winrate négatif. Ok, intéressant. Donc ouais, on verra un peu, mais... Mais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va voir comment ces changements landent, s'il arrive à... En vrai, il a besoin que de léger équilibrage s'il veut devenir viable à tous ses trois rôles à la manière d'un Maokai, donc... Je pense que c'est le changement sur son Q-spell qui est la capacité la moins commit de Zac est définitivement un bon début. Donc on va voir comment est-ce que ça donne, notamment contre des phases de lane où il peut avoir l'avantage de la range avec son Q-spell, mais pas avec d'autres sorts, quoi. Il a pas envie de trop se commit non plus. Zeri! Ah! Putain! Alors là, je vais devoir me moucher parce que là, on arrive sur un gros morceau alors qu'on est déjà à 1h13 de vidéo. Donc, alors... Pour Zeri, ce qui est très rigolo, alors du coup, c'est que je sais pas si vous avez vu ceux qui suivent la sphère League of Legends, le YouTube Shorts d'un mec qui est apparemment main ADC. Ce qui est très rigolo dans le méta actuel, c'est qu'il y a 3 ou 4 builds viables sur à peu près tous les carrés du jeu. Et c'est ça qui est très très cool, du coup, parce que t'as pas de mal de diversité dans la manière dont tu peux jouer un même champion. Mais le problème de Zeri, c'est que même si elle a 3 ou 4 builds en théorie qui sont viables, elle en a en réalité 0 parce qu'elle est vraiment très très nulle. Et qu'apparemment, c'est pas loin d'être le pire champion du jeu. Et je suis plutôt d'accord en réalité. Parce que en réalité, ben, le gros problème qu'avait Zeri, et qu'elle a même aujourd'hui, du coup, jusqu'à ce nerf-là, que Zeri, c'est un champion qui a été littéralement nerf to the ground, dans le sens où ils ont littéralement nerf une par une toutes ses compétences. Donc au bout d'un moment, quand ça fait trop, ben, c'est plus un champion. Sachant que c'était déjà un champion qui était extrêmement dépendante du joueur qui la jouait. Et qu'une Zeri à Baello avait absolument aucun rapport avec une Zeri à OLO, et qu'on était un peu sur le syndrome Gwen où le champion était broken lorsqu'il était au-dessus de platine et qu'il devenait extrêmement nul à chier lorsqu'on était en dessous. Donc on avait déjà ce problème-là, et le fait qu'on la nerf tout seconde à chaque fois, ça fait que bah, c'est un champion qui est clairement pas jouable aussi facilement qu'avant.
Donc, les Raziri étaient champions de championnat tout au long de l'année. Son kit électrisant, c'est qu'un tube explosif. Elle atteint d'équilibrage qu'elle a reçu. Nous essayons une nouvelle chose sur notre Zonian X électrique préférée pour régler les problèmes qui l'ont démarqué des autres tireurs au niveau pro cette année. La combinaison de sa longue portée, de sa grande mobilité, de ses dégâts de plus en plus massifs faisait qu'elle avait que peu, voire pas, de faiblesse dans un environnement coordonné tel que les pros. C'est vrai. Modifions donc le style de jeu de Zeri en réduisant sa portée afin qu'elle redoive plus s'approcher pour faire les étincelles et tuer ses ennemis. C'est vrai. C'est une bonne idée. La fixe et stats ont été revus, que les dégâts de rafale ont été augmentés, que charge ionique a été ajustée, même si Zeri gagne en puissance, ses adversaires devraient désormais avoir plus de chances de l'attraper avant qu'elle ne se mette à nouveau en sûreté. Et je ne lirai pas cette dernière phrase, ok. Alors, vitesse de déplacement, augmentée, let's go! C'est ça qui est cool. On se demandait beaucoup pourquoi est-ce qu'il y avait énormément de champions qui allaient plus vite que Zeri au niveau de base, alors que ces champions sont censés être un personnage qui bah, est censé être rapide en fait à la base. Du coup, c'est un peu chiant qu'elle soit pas parmi les meilleurs champions du jeu en termes de vitesse. D'ailleurs, si vous voulez, on va faire. Je vais juste la regarder maintenant parce que là, c'est pas comme si on était à 2 minutes près. C'est quoi le classement de la movement speed des champions actuellement? Histoire de voir. C'est possible. Est-ce que c'est possible d'avoir le classement des champions? Ok. Donc, alors. Oh, le nombre de personnages. Ok. Donc, Zeri est dans le bottom 50% des... Alors, potentiellement même le bottom... Oh, merde, non, elle est dans le bottom 25, là. Max, enfin, minimum. Ouais, elle est dans le bottom minimum, ouais. Alors, elle va moins vite que Jean, elle va moins vite que Swain, elle va moins vite que Senna, elle va moins vite que Pike, elle va moins vite que Lulu, elle va moins vite que Kog'Maw, elle va moins vite que Alistar, elle va moins vite que Nami, elle va moins vite que Horn, elle va moins vite que Skarner. Va moins vite que Rell sans sa monture. Enfin, avec sa monture, je veux dire. Non, sans sa monture, c'est quand même complexe d'aller moins que Rell, quand même. Elle va moins vite que Gnar. Elle va moins vite que Galio. Elle va moins vite que Braum. Elle va moins vite que Azir. Elle va moins vite que Veigar. Elle va moins vite que Vel'Koz. Elle va moins vite que Darius. Elle va moins vite que Garen. Elle va moins vite que Camille. Elle va moins vite que Logat. Moins vite que Rumble. Moins vite que Rengar. Moins vite que Renekton. Moins vite que Fiora. Moins vite que Gangplank. Moins vite que Illaoi. Nasus. Trundle. Jax. Olaf. Udyr. Kha'Zix. Shyvana. Je vais pas tous les citer parce qu'on est littéralement sur le bah, 80% du jeu quoi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 30 champions à 330 de vitesse de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fois 3, 45 champions à 335 de vitesse de déplacement de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois 2, 22 fois 3, 33, 32, 31. 31 champions à 340 de vitesse de déplacement. Bref, sachant qu'il y a encore à peu près le même nombre de personnages qui... Qui ont 345 de mouvement speed et un peu plus au-delà. Donc 325, c'était définitivement le bottom du panier, sachant que c'était un champion qui a tendance à être axé sur la vitesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel point elle est censée être basée sur la vitesse. Donc, alors oui, elle a son passif de merde qui fait que quand elle obtient un shield, elle gagne la vitesse de placement. Oui, elle a son ulti qui est censé stack sa vitesse. Mais c'est pas normal que de base, elle ait une vitesse aussi nulle à chier. Donc je suis définitivement d'accord avec le fait d'augmenter sa vitesse de placement, même si elle n'est toujours pas aussi rapide que des champions comme Karthus, qui sont des champions qui sont extrêmement immobiles en général, ou comme Viktor, qui a son buff de Q-spell absolument tout le temps. Donc ouais, intéressant. Intéressant, intéressant. Les dégâts d'attaque de base ont été légèrement augmentés, c'est cool, c'est bien. La main de base a été augmentée, c'est cool, c'est bien, c'est normal. PV de base augmenté, c'est cool, c'est bien, c'est normal. 630, c'est pas le, les HP de base de Senna? Est-ce que c'est pas les HP de base de Senna 630? Non, c'est 530 Senna, ok. Ça va. Oui, ça va, alors, dans ce cas-là. Vitesse d'attaque de ratio augmentée, c'est bien. Attaque de constance HP, c'est bien, ok. Donc il buff overall toutes ses stats. Elle a plus de PV... Plus d'armure, plus de vitesse d'attaque, plus de PV par niveau. Et plus de vitesse de placement. Ok, c'est cool. Vitesse de dégâts d'attaque de base chargée. Enfin, dégâts d'attaque de base chargée à bloc, donc le clic droit. On augmente le ratio en puissance. Ok, c'est cool. C'est ok, c'est bien. On va voir comment est-ce que ce match le reste. Ok. Suivant. Bonus de jeu file à la direction, à la réception d'un bouclier.
10% plus budget. Ah, ok. Ah oui, multiplicatif, mais là cette fois c'est juste additionnel, ok. Ça devrait ainsi être moins avantageux avec d'autres sources de vitesse de placement. Ok, donc c'est pour compenser le fait qu'on augmente sa vitesse de placement de base. Alors je crois que c'est un nerf du coup. T'as un buff dans la polyvalence, mais c'est un nerf overall, je crois. Dans les moments où elle a des shields partout, c'est-à-dire genre Lulu par exemple. Ça doit être un LG nerf en late game. Donc ils ont vitesse de bonus 2 secondes, ouais, c'est un nerf, ok. La rafale, donc la portée a été baissée, donc c'est normal, on a vu le buff de stats. Conversion du surplus de vitesse d'attaque en dégâts d'attaque bonus 70%. Ok, donc elle va faire beaucoup de plus de dégâts, mais par contre, elle va faire des dégâts de vachement moins long. Et ça va être vachement plus. Elle va vachement plus être dépendante de son stacking de Lethal Tempo, du coup. Forcément, parce que le Lethal Tempo va augmenter sa portée. Les dégâts physiques passent donc de 20 à 27. Sachant qu'ils augmentent aussi les dégâts d'attaque en early, enfin le ratio en early game, ok. Ça fait plus de dégâts en général, même si c'est pas énorme, le buff. On sent qu'ils sont assez précautionneux sur les dégâts du Q-spell, donc ça reste ok. Je pense que ça reste de toute façon assez intéressant en général, notamment avec les stats de base qu'elle va obtenir en plus. Le laser, alors le type de dégâts donc passe en physique, ok, intéressant du coup. Parce que c'était des magiques avant. Les dégâts physiques donc passent donc de 20 à 60 à 20 à 180. Donc elle a plus de dégâts de base. Plus 130% de dégâts d'attaque, plus 25% de la puissance. Donc ça fait moins de dégâts en fonction de la puissance et plus de dégâts en fonction de la D. J'ai du mal à voir comment est-ce que Zeri AP redevient viable du coup. Le délai d'incantation passe donc de 2,5 fois le dégât d'attaque de base à 0,5 à 3 secondes en fonction de la vitesse d'attaque. Ok. Je sais pas trop ce que ça veut dire. J'arrive pas trop à faire le calcul, donc on verra. On verra si c'est plus rapide ou moins rapide. Contre ça. Le vitesse du projectile passe donc de 2200 à 2500. Ok, donc c'est un peu plus facile à utiliser avec sa vitesse. Enfin, que ça. Sa forme non augmentée, on va dire. Donc, ok. Et la délai d'incantation du rayon passe à 0,85 secondes. Donc, ce soit un peu plus facile à dodge pour les gens. Ouais, donc Zeri et Full AP est morte. Zeri Full Poke est morte. Le charge ionique, du coup. Le cours mana passe donc de 90 à 70. Ok. Enfin, oui, c'est ça. Donc, c'est nerf en early game et buff en late. C'est cool, c'est un champion qui scale, normal. Le problème c'est que le E c'est la capacité que tu maxes en dernier, je crois. Donc c'est pas intéressant, en fait. C'est ça, tu le maxes en dernier. Bon, tu l'auras jamais ça, mais ouais, de toute façon c'est pas un sort que t'es censé utiliser tout le temps non plus. Le délai de récupération est basiquement diminué, c'est ça? Ou ouais, ça diminue très rapidement en early, mais de toute façon, comme il coûte plus de mana, ça va être moins worth de l'utiliser. De toute façon, tu l'utilises pas tout le temps non plus. Pendant 5 secondes après avoir utilisé son E, Zeri gagne balle foudroyante et son A rafale inflige des dégâts magiques supplémentaires au premier ennemi touché. Ok. Balle foudroyante, ok. Ok, ok, ok. C'est cool, du coup, ça augmente potentiellement son DPS mono-cible. Les dégâts magiques supplémentaires au premier ennemi touché donc sont de 20, 24, 28, plus 20% de la puissance, plus 12% de dégâts d'attaque bonus. Ok, donc ils veulent plus shifter Zeri AP vers Zeri on hit plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Et des dégâts augmentent d'un maximum de 65% sur les chances de critique de Zeri. Ok, donc ça, c'est un truc qui augmente. Ok. Après, le problème, c'est que comme c'est un dé de récupération aussi élevé, sa mère, tu vas pas l'utiliser tout le temps non plus. Diminution de dégâts performants de balle foudroyante après le premier hit plus touché. Et une. Ok, une diminution assez folichon maintenant, du coup. Donc, c'est vachement moins. Ça va être vachement moins utile pour toucher plusieurs personnes en même temps, mais vachement plus utile pour taper un mec. Donc, ouais, vachement plus utile pour. Vachement plus utile pour le duel, le dueling plus que pour le clear de wave du coup. On va voir du coup comment est-ce que ça affecte son clear de wave et ça peut potentiellement poser un problème au bout d'un moment. Et la vision pendant la glissade passe à 1500 unités. Oh, d'accord, je sais pas trop ce que ça veut dire, on verra. Ok, ok, ok. Alors, le R éruption électrique maintenant, les attaques surchargées n'infligent plus des dégâts magiques supplémentaires à l'impact. Ok.
La portée de la chaîne d'éclairs donc passe de 450 à 650, donc ça veut dire que maintenant ta chaîne d'éclairs se répercute de plus loin. Se proque de plus loin. Les dégâts magiques à l'incantation ont été augmentés. Ok. D'accord. Alors c'est bien de donner énormément de ratio d'AP au R, mais de toute façon tu t'en fous parce que c'est pas comme si tu l'utilisais tout le temps. Donc ouais, je sais pas trop si vraiment Zeri AP va être viable ou pas, hein. Faudra voir. Mais en fait le fait que son Z soit plus des dégâts magiques, ça fait que tu perds énormément. En fait tu gagnes en hybride, certainement. Mais c'est vrai que du coup t'as pas la moyen de jouer Zeri de manière aussi... Comment dire? Aussi... comment dire? Ah! Autant la focaliser sur les dégâts magiques qu'avant. Donc on va voir si vraiment ça a un impact ou pas. Mais peut-être que ce sera plus une variante de Zeri qui prend pas genre full item AP, mais qui a tendance à partir sur des items comme basiquement le Land Nashor sera pris genre en quatrième item, un truc comme ça. Pour avoir une variante un peu plus AP s'il n'y a pas beaucoup d'AP dans ton côté. Si le R de Zeri touche au moins un champion ennemi, elle gagne 10% de vitesse de déplacement supplémentaire et 30% de vitesse d'attaque et ses tirs forment une chaîne d'éclairs pendant 5 secondes. Des champions avec le A ou les attaques de base se prolongent ce buff de 1,5 secondes, ok. Par contre, ça veut dire... Alors, ce buff ne peut pas être prolongé au-delà de sa durée d'origine. Hein? Ça veut dire quoi ça? Ce buff ne peut pas être prolongé au-delà de sa durée d'origine. Ah, ok, d'accord. Okay. Tu peux pas aller... Ok. Donc si tu stack un maximum ton R, ce sera pas un stack, genre tu pourras pas stacker autant de secondes. Ok, d'accord. Basiquement, si tu auto-attaques par exemple toutes les demi-secondes, on va dire par exemple. Attaque toutes les demi-secondes. Bon, c'est pas le cas, mais je pense que... Imaginons. Ça veut dire que toutes les secondes, tu vas prolonger ton buff de 3 secondes, basiquement. Donc tu vas gagner des secondes sur ton buff. Mais du coup, en gros, tu pourras pas avoir... une durée restante de ton ulti supérieure à 5 secondes du coup. Ce qui est quand même toujours assez impactant du coup. Mais c'est vrai que ça veut dire que oui, ça veut dire que du coup c'est un champion qui va pouvoir garder tes 5 secondes assez rapidement, assez facilement. Mais tu vas pas pouvoir genre faire en sorte que ça stack de fou. Ok. Et pas en faire en sorte que ça t'as 10 secondes de R, ça n'aurait aucun sens du coup. Toucher des champions ennemis octroie un effet surcharge à Zeri, 3 en cas de coup critique pendant 1,5 secondes. Ok. Et Zeri gagne de la vitesse de placement par une surcharge. Okay. Ça c'est normal. Ok, très bien. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, très clairement, la variante poke de Zeri est certainement d'edge. Faudra voir avec l'hydrovorace actuel peut-être. Mais je crois pas de fou, pour être honnête. Hein. Vraiment, j'y crois pas de fou. Ouais, le win rate actuellement, même dans le patch 12.22, il est à 42%, donc c'est... Ça m'a pas l'air d'être facilement... Ça m'a pas l'air d'être facilement redressable, surtout avec les changements qu'ils ont fait. Donc ça va pas être possible de poke avec le Z d'une portée de fou, avant, comme avant. Par contre, en tant qu'AD carry, je pense que Zeri peut avoir de beaux jours devant elle, surtout avec les changements qu'elle a subis. Alors peut-être que ce sera pas suffisant. Je m'attends à ce que ce soit pas suffisant, pour être honnête. Mais on verra, on verra. Je pense qu'on devra potentiellement augmenter encore un peu sa vitesse de déplacement, peut-être. Faudra voir. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement de changements que c'est difficile de se visualiser le champion. Donc ouais, on verra, on verra. Le problème de Zeri, c'est surtout que... En fait, il n'y a pas de mythique qui donne bien avec elle, en fait. T'as pas l'impression que ton premier spike de mythique est vraiment si fort que ça. Ni ton deuxième. Donc c'était vraiment... Tu dépends énormément de ton... T'as l'homme d'infini, on va dire. Donc, faudra voir un peu. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe avec Navori, d'ailleurs, par rapport à l'homme d'infini. Pas si ça se passait au niveau de l'interaction. Ce serait intéressant de comparer les dégâts. En dehors de ça, on verra. Basiquement, on verra. Je pense que pour les gens qui avaient arrêté de jouer au jeu parce qu'ils jouaient que Zeri et que Zeri était nul à chier, peut-être que c'est le moment de revenir pour voir. Mais faites gaffe, il y a pas mal de Z en ce moment. Mais en dehors de ça... Pourquoi pas, hein? On va tester.
Justement dans la jungle, donc les compagnons dans la jungle. Alors qu'est-ce qui se passe? Les dégâts des attaques des compagnons ont été légèrement baissés. Ouais, c'est ça. Ok, bah, c'est très cool pour le coup. C'est très bien. C'est bien d'avoir. C'est ça. Ils aident également les tanks. Ah, nous avons les PO qui offrent. C'est pas vraiment ça en vrai. Ah, mais ok, d'accord. Mais ils ont ration en fonction du paiement bonus. Ok. Okay. Mais par contre, du coup, ça veut dire que au premier niveau, c'est-à-dire le premier clear, ça va faire. Tous les champions vont faire moins de dégâts. Alors c'est cool du coup. Parce que c'est définitivement intéressant d'avoir des champions qui tirent un peu moins rapidement dans les premiers niveaux. Comme ça, on a un peu plus de différence entre les champions qui ont un bon clear et les champions qui ont un clear de merde. Après, j'ai peur. J'ai peur parce que... J'ai peur. Parce que ça veut dire que du coup... Je sais pas si le fait d'avoir un clear de jungle comme ça, qui soit aussi viable pour tout le monde, ça va vraiment... C'est vraiment une bonne chose pour le jeu. On verra un peu comment ça se déroule, hein, forcément. On sait que Riot est capable de revenir en arrière. Notamment, enfin, ils l'ont prouvé dans les derniers changements qu'ils ont fait, dans leur philosophie de jeu. Ils sont capables d'écouter les feedbacks de la communauté et de revenir en arrière si vraiment c'est de la merde. Là, on verra. J'ai peur, j'ai encore peur de cette méta jungle, et surtout en fait des tanks en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que si les tanks arrivent à être trop accélérés avec la jungle, parce que leurs petits monstres vont faire suffisamment de dégâts en zone pour qu'ils aient un clear de jungle qui soit viable, par rapport à des champions qui sacrifient énormément de PV pour avoir un clear de speed de jungle plus élevé, on va voir. Et surtout, les changements qu'ils ont fait là actuellement, ne font pas énormément de choses pour contrer les champions qui sont extrêmement broken en jungle, comme des trucs genre Ekarim ou Udyr par exemple. Donc j'ai un peu peur de ça, mais en dehors de ça, on verra. Après leur première évolution, les compagnons de la jungle consomment deux casse-croûtes bonus lors de l'élimination d'un grand monstre et ils reçoivent des bénéfices correspondants, ok. Deux des casse-croûtes bonus, ok, donc ils diminuent, ok. Oui, ok, donc ils empêchent le fait que on a la situation qu'on avait, que les junglers avaient plus d'argent que les laners, ce qui n'est pas censé être le cas. Donc c'est cool, ok, on préfère. Tout en leur donnant quand même des spikes, du coup, après la première évolution, donc c'est pour un peu récompenser le fait d'avoir réussi à suivre la mini-quête donnée par la jungle. Et 20% de dégâts supplémentaires offerts par les compagnons ne sont plus appliqués contre les monstres épiques. Ok, alors ça pour le coup, ça va faire un peu de mal, du coup. Ça fait en sorte que les objectifs sont sécurisables moins facilement. Très vachement moins facilement. Notamment les Drakes. Et que du coup, pour le coup, peut-être que c'est comme ça que Riot veut équilibrer les junglers. Dans le sens où ils veulent avoir des junglers qui soient vachement plus forts pour ce qui est de récupérer les Drakes en early game. Et des champions qui soient vachement plus faibles. Notamment parce qu'ils ont un clear de jungle plus faible. En général, enfin qui sont censés avoir un clear de jungle plus faible. Donc ils veulent réduire la différence de clear de la jungle normale entre les champions. Mais augmenter la différence de clear, enfin de sécurisation d'objectifs et de monstres épiques entre les junglers basés sur du coup leur prétendue vitesse de clear. Alors outre le fait que ça ne change, enfin c'est une différence qui fait qu'il va y avoir des champions qui vont perdre au change, notamment les champions qui peuvent tâcher, enfin oulala, peuvent taper en qui peuvent taper en zone. Donc ouais, ça c'est. Ça c'est forcément un changement qui va devoir être pris en compte. Et du coup forcément, des champions en jungle qui vont être là pour nuke les objectifs vont potentiellement être plus plébiscités que des champions qui ont un gros clear de jungle en général. Je pense potentiellement à des trucs genre Karthus, potentiellement même d'ailleurs, qui pourront quand même tirer leur épingle du jeu grâce à ça, on va dire. Avec potentiellement un clear de dragon qui va être vachement plus élevé que d'autres champions, surtout après la réduction, enfin la suppression des 20% dégâts supplémentaires. Voilà. Alors, les camps de jungle maintenant. Fouh. La portée d'attaque de Gromp a été baissée. La portée d'attaque du maître Cormain a été baissée. La portée d'attraction des camps ont été décalées par rapport au point d'apparition des monstres, afin que les champions puissent se déplacer qui était plus facilement. On va voir, parce que du coup, le fait de réduire la portée d'attaque des camps, ça veut aussi dire que les déplacements sont vachement moins... comment dire... Les vachement moins libres des junglers, du coup. C'est-à-dire que tu peux t'approcher un peu plus difficilement des camps adverses, enfin des camps, des autres camps du coup. Vu que en fait, maintenant la portée la portée d'attraction des camps justement, est pas vraiment calculée en fonction de la range à laquelle le champion est, mais à la range à laquelle eux se trouvent. Ce qui fait que du coup réduire leur portée d'attaque, ça veut dire qu'ils pourront attaquer forcément de moins loin. Et que donc ils devront s'avancer plus, et que donc ils
le champion ennemi, enfin le champion, enfin le jungler, ne pourra pas autant s'éloigner du camp s'il veut le taper. Donc on va voir comment est-ce que le décalage des portées d'attraction vont influer la circulatoire des junglers. Mais il faut vraiment que ça compense le nerf de portée global des camps de jungle. Multiplicateur d'XP des camps de jungle. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc 1 jusqu'à 1,35, tu 1,45. Donc ils veulent gagner. Pourquoi ils buffent l'XP? Ah ok. Donc je suppose que c'est pour récompenser le full clear, c'est ça? C'est-à-dire que plus tu tues tes camps, plus ils gagnent en niveau plus vite. Et donc, si tu full clear comme un fou furieux, parce que t'as un champion qui full clear comme un fou furieux, t'auras un plus grand avantage d'XP par rapport à ton opposant. Là, je peux me mettre derrière, pour le coup. Je peux me mettre derrière ça. Pourquoi pas? Mais définitivement, j'ai peur de ce que ça va donner, avec potentiellement des junglers qui vont être devant leur solo laner en XP. Mais bon, faudra voir. Et peut-être que du coup, la jungle va être plus un rôle qui te donne pas mal d'XP si t'arrives à full clear, et si t'arrives à clear assez rapidement, et qui te donne même plus d'XP comparativement aux autres lanes par rapport à, enfin, que à d'argent, on va dire. C'est-à-dire que avant la jungle, c'était caractérisé par pas beaucoup de niveaux, beaucoup de gold, basiquement. Mais moins de, on va dire, pas beaucoup de niveaux, un peu de gold, mais moins forcément que les AD carry. Alors que la top lane c'était plus d'XP, moins de gold, et la mid lane c'était, on va dire, un peu d'XP, un peu plus d'XP, mais plus de gold, vas-y. Et les supports c'était pas d'XP, pas de gold. Là du coup ça serait potentiellement là, à partir de là, que la jungle shift en plus d'XP, moins de gold du coup. Vu les changements qui ont été faits plus haut là avec les camps. On verra. Préparation d'objectif. Alors, vote désactivé depuis le tableau des scores. Cliquez sur le chrono d'un objectif ne lancera plus un vote pour cet objectif. À la place, vous afficherez seulement le chrono dans la messagerie. Merci. Ça posait potentiellement des problèmes du X. Avec des votes qui se déclenchaient alors que tu voulais pas le faire. Donc c'est bien de prévenir les erreurs comme ça. Ou plutôt, les joueurs peuvent désormais voter pour un objectif 75 secondes avant son apparition contre 90 secondes précédemment. C'est cool. Parce que c'est vrai que peut-être qu'il y avait des votes qui se déclenchaient un peu plus tôt que prévu. Et par contre, un vote ne sera plus lancé automatiquement après 30 secondes, enfin 30 secondes avant l'apparition de l'objectif, ce qui est cool aussi. Donc ça c'est bien, parce que du coup, c'est vrai que les gens étaient un petit peu pas forcément déçus, mais un petit peu dérangés par le fait que les votes des objectifs deviennent aussi omniprésents dans les games. Peut-être que ces mesures vont permettre de les rendre un peu plus acceptables. Les gens veulent qu'ils soient supprimés, bon, ça pour le coup forcément c'est. Les joueurs de League of Legends try to adapt challenge, entre parenthèses impossible. Mais bon. Je pense qu'avec mesure là, au moins on va essayer de calmer les ardeurs de pas mal de joueurs. Maintenant, j'espère que c'est pas déjà trop tard et que les gens vont pas de toute façon être en mode putain, un vote d'objectif tout le temps. Après, je sais pas si c'est possible de resize le vote des objectifs, peut-être. Ça serait peut-être une meilleure chose à faire que tout ça. En plus de tout ça, je veux dire. Pour que les gens le voient en plus petit si vraiment ils le veulent. Clash d'Aram. Ah oui, on avait vu, très bien. Notre dernier clash de l'année dans l'Abîme Hurlant, oui c'est ça, participation qui sera gratuite et propose un ticket de bracket de 8 équipes où chacune d'entre elles pourra disputer 3 parties. Chaque joueur recevra 2 relances par partie, alors pense à les utiliser. L'inscription commencera le 5 décembre et le tournoi aura lieu le 10 et 11, ok. Participants de recevront un icône clash d'Aram exclusif à durée limitée, sachant que c'est tous les participants, pas forcément les vainqueurs, donc n'hésitez pas à le faire. Et les récompenses de clash seront distribuées pendant le patch 12.23, ok. Très bien, très bien, très bien. Rotation de fin d'année de la boutique fantastique. Oh putain de merde. Bon, vous les regardez quoi. Voilà, vous voyez. Ouais, c'est tout ça qui est disponible. Et ça, c'est ce qui est plus disponible. Voilà. Qu'est-ce que je peux noter d'ailleurs? Ça, c'est cool. Cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, recommandation de runes. Ajoute des recommandations de runes lors de la sélection des champions dans tous les modes de jeu. Ok. Ces recommandations sont personnalisées en fonction de votre champion et de votre rôle et proposent également de manière optionnelle les recommandations du sort d'invocateur. Ok.
Que les recommandations d'objets dans la boutique d'un jeu, elles seront mises à jour chaque patch. Tous les joueurs obtiendront gratuitement une page de runes temporaire que les recommandations de runes écraseront lors de chaque sélection des champions, ce qui est cool. Moi, il y avait un problème que j'avais avec pas mal de sites qui faisaient ça, les sites tiers, qui est que généralement les mises à jour automatiques des runes, elles écrasaient en périodiquement mes pages de runes. Du coup, j'étais en mode bah, génial. Parce que j'ai un classement des runes qui fait qu'en fait j'ai une page de runes pour chaque arbre principal. Et comme forcément ça m'écrase des pages de runes que j'ai pas forcément besoin, des fois t'as un arbre sorcellerie qui se fait supprimer par un arbre précision, et ma vie elle est vraiment dégueulasse. Donc ça fait du bien que ça nous donne une petite page gratuite pour ça. Si vous souhaitez enregistrer de façon permanente une recommandation, vous pourrez l'ajouter à votre collection sur l'écran de fin de partie. Très bien. Les pages de runes pour les finies ont été supprimées. C'est cool, ça c'est bien vu ça. Par contre, du coup, comment est-ce que ça fait au niveau des nouveaux joueurs du coup? Parce que si on a les pages prédéfinies qui sont supprimées, comment est-ce que ça se fait? C'est-à-dire que les nouveaux joueurs peuvent que avoir les pages de runes qu'on... Ça y est? C'est un peu bizarre. Mais bon. Changement de l'ordre des choix. Les dans les films avec matchmaking et draft lors des phases de déclaration. Les bannis de bannissement et de section des champions. Vous pouvez désormais cliquer sur le bouton à côté du portrait d'un allié pour changer l'ordre de vos choix. Ah, là c'est vrai. Là je me rappelle le changement, c'est vachement bien. 5 secondes avant la fin d'une phase, les demandes d'échange seront toujours en cours, seront annulées. Si votre demande d'échange est refusée, vous ne pourrez pas en envoyer de nouvelles à ce joueur. L'échange de champion durant la phase de préparation est désormais initié en cliquant sur le portrait d'un champion allié, donc sur un bouton à côté du portrait. Attends. L'échange de champion durant la phase de préparation est désormais initié en cliquant sur le portrait d'un champion allié plutôt que sur un bouton à côté du portrait. Ok, comme tu veux. J'aurais préféré un bouton pour le coup, mais ok. Divers textes et polices de caractère ont été modifiés dans la section des champions par souci de cohérence. Ok. Animal dans la section des champions. Alors, allié 1, allié 5 ont été renommés Gromp, Lican, Corbin, Krug et Carapator pour améliorer la clarté de la messagerie lors de la section des champions. Ok. Pourquoi pas. Est-ce que j'aurais préféré allié 1 à 5? Oui. J'aurais quand même préféré Gali 1 à 5. En tout cas, pas en français. En tout cas, en français, oui. Peut-être qu'en anglais, c'est quelque chose de différent. Mais c'est vrai que les mots français, notamment carapateur, clairement pas très affordant, on va dire. Mais bon. Au moins, ça marche un peu mieux. Système lié au comportement. Les récompenses de fin de saison liées à l'honneur dans le Skill Malzar au niveau d'honneur 5 sont distribuées en fonction de votre niveau d'honneur à la fin de cette saison. Ok. Le seuil d'inactivité en arame est désormais de 120 secondes contre 90 secondes précédemment. Ok. Mais du coup, si on obtient forcément le skin de Malzar, qu'en est-il des jetons d'honneur? Ça a un intérêt ou un impact particulier? On sait pas. Correction de bug, amélioration. Amélioration des favoris durant la section des champions. En sorte que vous puissiez désormais trouver plus facilement vos champions préférés lors de la section des champions. Pour rappel, vous pouvez marquer un champion comme favori. Ouais. Lors de la sélection des champions, trier par favori et l'option de tri par défaut. L'option par défaut secondaire et tri par nom. Ainsi, un joueur qui n'a marqué aucun champion comme favori aura le même tri que jusque-là. Ok. Bah, c'est très bien, j'utilisais pas ça de toute façon. Les préférences de tri d'un joueur seront enregistrées à chaque sélection des champions. Ok. La taille des signaux a été légèrement réduite. C'est bien. L'amélioration de la clarté des effets visuels du signal avancé. C'est bien. Amélioration des effets visuels, de l'ondulation des signaux et de la visuelle sonore. Ok, très bien. Le saignement de la danse de la mort n'interrompt désormais plus les rappels. Hein? D'accord, ok. Merci. En fait, merci. Je trouve que c'est un changement bizarre, mais en fait, pour quelqu'un qui a déjà utilisé la danse de la mort une fois dans sa vie, merci beaucoup. Les effets visuels de distorsion du R exécution épisode de pack empyréen sont désormais désactivés si l'option masquer les effets dégradatifs est activée. Merci. Ça fait super plaisir. J'aimerais bien que ce soit le cas pour tous les champions qui ont ce genre d'effet à l'avenir. La correction de bug, je vais vous la mettre en slow motion. Vous pouvez faire pause à n'importe quel moment. Voilà. Il y a beaucoup de bugs. C'est normal. La programmation de LOL. Non mais putain, c'est quand que ça se termine? Au secours! Ça s'arrête pas! Au secours! Non, c'est bon. C'est what the fuck? Mais vous vous foutez de ma gueule? Non mais wesh! Oh, c'est bon, vas-y. Non, reprogrammer ce jeu de merde, pitié. Reprogrammer ce jeu de merde. C'est pas normal qu'on ait des listes comme ça à chaque patch, quoi.
Bref, skin et chroma à venir. Alors, les skins suivants sortiront au cours de ce patch. Diana élue de l'hiver, Shaco. Ah oui, ok, très bien. D'abord, vite, un petit récapitulatif. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça on s'en fout. Ok. Mais le changement de RAM, c'est stylé. Tester la RAM, c'est stylé. Je suis sûr que les changements vont la rendre plus intéressante. X-Amandre, nerf mérité. J'espère que du coup, il y aura un peu plus de polyvalence au niveau des choix d'items jungle. Idevoras, nerf mérité. Normalement, l'item est fine maintenant, de mon point de vue. Après, on verra comment est-ce que ça évolue. Égide solaire, l'item est un peu plus fine qu'avant, mais c'est toujours le même problème problème entre l'item, enfin le passif de l'item et ses stats qui sont très spécialisées, on va dire. Amumu pas suffisant pour autre chose qu'en support. Shogat léger mais pas incroyable, surtout plus efficace en midlane qu'autre chose. Mundo un petit scaling monster maintenant, on va voir un peu comment ça arrive, mais c'est vrai que le champion a gagné vachement plus de valeur qu'avant. Essayer de le jouer potentiellement pour essayer de voir. Xante légèrement mieux, mais après bon, si vous voulez pas vous dédier énormément à ce personnage, n'hésitez pas à ne pas le jouer. C'est basiquement, si vous voulez pas le one trick, essayez de ne pas le jouer. C'est très sympa pour absolument tout moment. Jusqu'à ce qu'au moins il y ait un autre buff comme ça. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire, basiquement. Des buffs de quality of life plus que des buffs en général. Kassadin, sympathique. Et un changement de E qui est plutôt cool et qui pourrait potentiellement redonner un peu plus de dynamisme au champion pour qu'il soit un peu plus joué par les nouveaux joueurs, ce qui est plutôt cool. Même s'il reste toujours assez spécialisé, entre guillemets, dans ses counter-pick, on va dire. Kane, ça me fait peur. Ce buff de dégâts supplémentaires me fait peur. Mais en dehors de ça, ça va. Lilia, nerf mérité. Ça reste un champion complètement fine. Malphite, buff apparemment mérité. Essayez de le jouer avec des bons items. Et dans les spots où il est fort. C'est-à-dire avec quasiment que des dégâts. Voire genre 4 damage dealers magiques. Enfin, physique, je veux dire. Ou en tout cas, 4 non damage dealers magiques. On va plutôt dire ça. Parce que les supports de type Nautilus ne comptent pas. Maokai, très bon buff en réalité. Pour à peu près tout le monde d'ailleurs. Donc, intéressant. Il va rester méta lui. Mordekaiser, ils ont nerf Mordekaiser apparemment. Après, le moment où ils vont nerf Jaxxho, je pense que Mordekaiser retombera dans l'oubli. Et du coup, il va certainement avoir besoin d'un autre buff. Et d'un rework, on verra. Shyvana, souffle de flamme, c'était quoi? Ah oui, c'est ça, ok, bon, un petit nerf, on s'en fout. C'est juste pour équilibrer avec les changements du patch d'avant. Sion, le mana de base a été légèrement monté, c'est ça. Bon, c'est basiquement placebo. Syndra est à peu près le même niveau qu'avant, puisque son Z est buff et son E est nerf. Même si elle est légèrement moins forte, mais c'est très léger. Damkench, ils l'ont buff, mais je sais pas si ça va vraiment être un buff qui va vraiment créer énormément de choses à part un changement de build. Rundle, un petit nerf, mais on s'en fout un peu en vrai, ça va pas changer fondamentalement les moments où le Rundle est fine. Yumi, littéralement ne change rien. Champion toujours chiant, mais pas tellement fort quand t'es pas en pro play. Zac, petit buff sympathique, et peut-être essayer de le rejouer, notamment dans des drôles genre support, pourquoi pas. Zeri, faudra tester, il y a trop de changements, c'est pas possible de prévoir un peu ce qui se passe. Et en gros, pour la jungle, plus d'XP, moins de gold, on va voir. On va voir comment est-ce que ça impacte la méta des clear speed, parce que pour le coup, les champions qui sont le plus forts actuellement dans la méta, c'est toujours les champions qui tirent le mieux, donc on verra. Pour l'instant, la Camille jungle a pas encore... Si. Ah ouais, merde. Non, ça c'est top, ça. La Camille jungle a pas encore explosé la méta pour l'instant, donc on verra. Peut-être que Fiddlestick l'explose par contre. Très bien. Sinon, on a. Ouais, ça c'est des camps. Ouais, on va voir. Les votes d'objectifs potentiellement vont être un peu moins chiants à utiliser et à avoir dans l'équipe. Le compte du fantasy, on s'en fout. Les recommandations de runes, ça peut être intéressant, même si je vais pas forcément l'utiliser, forcément, parce que. Bon, c'est certainement un truc qui est le plus là pour les nouveaux joueurs qu'autre chose. Pareil pour les sorts d'invocateurs. Changement de l'ordre des choix, par contre, ça c'est un truc très très intéressant qu'on utilise quasiment chaque partie quand on est en primate, donc c'est vachement cool. Bravo. Anonymat lors de la sélection des champions, ça c'est selon les préférences. Moi je pense que c'est moins bien en français, mais seulement mieux en anglais. Voilà. Maintenant on va pouvoir passer au skin très rapidement parce qu'on est déjà à 1h49. Donc Diana élue l'hiver.
C'est un skin de fou. C'est un skin de fou. Son ulti est magnifique. D'ailleurs, je l'ai vu. Bah forcément, voilà, elle est magnifique, quoi. Il y a des mecs qui volent. Miroir bizarre sur sa main. Bref, c'est. Il y a même des petites marques sur ses doigts. Enfin, c'est beau. C'est beau. Quel polish de fou. Shaco élu de l'hiver. Bon, bah, c'est un skin de Shaco, quoi. Il sourit et puis il a une dague bizarre. Donc, voilà, c'est Shaco, quoi. Et ça va être compliqué de le. Ça va être compliqué. C'est Shaco casse-noisette, mais en un peu plus stylé, on va dire. C'est comme ça que je peux le décrire. Swain élu de l'hiver, c'est pas Swain. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression que c'est pas Swain du coup. C'est Swain gentil. On dirait Viego roi. C'est très rigolo. Et pour le coup, l'ulti est stylé, la griffe est stylée, le Z est stylé. Warwick élu de l'hiver, j'aime beaucoup le splash art. Après, en game, bon, c'est un skin de Warwick, quoi. Il faut pas non plus s'attendre à n'importe quoi, enfin, genre un skin de fou furieux, ça reste un skin plutôt honorable. Diane élu de l'hiver, la bombe est une œuvre d'art monumentale et ce skin est assez vraiment vachement stylé, qui rentre très certainement dans le top 3 des skins de Diane. Enlever ça de mon écran. Mort de Kaiser, Ravageur des cendres, très très bon skin. Très très bon skin. Très clairement, un champion qui avait besoin de ce genre de skin. Et je crois qu'il n'y avait pas de skin violet, donc décidément très intéressant. En plus, les effets, notamment les effets sonores de cette lignée de skins, vont très très bien, Mordekaiser. Et Warwick élu de l'hiver prestige, c'est basiquement le skin d'avant, mais en plus civilisé, on va dire. Donc, avec une petite main en diamant et tout, c'est vraiment, vraiment stylé. Mais il n'y avait pas autant visible, je pense, en game. Ok, classement du meilleur au moins bien. On va dire Zilean, puis Diana, puis Mordekaiser, puis Swain. Puis Warwick Prestige, puis Warwick Normal, puis Shaco, puis Zoe, c'est ça. Est-ce que Diana a vu l'hiver et Alekroma validé? Waouh, c'est pas fou hein, quand même. Le 1 et le 5 sont bien, le reste est plutôt mid. Donc je dirais pas vraiment validé. Shaco. Oh putain, les crocs sont nuls. Oh putain de merde! Alors l'avantage c'est que potentiellement que ça ira vachement mieux à Shaco en général, parce que Shaco a pas énormément d'effets visuels qui vont. Pas changé du coup parce qu'il y a un chroma, donc ça peut-être être des chromas plus polyvalents on va dire, mais ouais, je suis pas du tout fan de un pattern de couleurs parmi ceux-là. Je pense que les couleurs se fondent trop entre elles, notamment vu le niveau de détail du skin par rapport à sa taille réelle. Swain, est-ce que c'est, ouais, c'est validé, oui, Swain est validé, Swain est très très validé. J'adore le 1, j'adore le 3, j'adore le 5, j'adore le 6 et j'adore le 9, donc plutôt stylé, validé. Warwick élu de l'hiver, c'est validé, bien sûr que c'est validé, putain, le 2. Ouais, excusez-moi, j'avais pas assez de mémoire du coup. J'avais pas assez de mémoire sur mon disque dur. Donc je disais quoi? Ouais, les chromas sont validés pour Warwick élu de l'hiver. Pour Zilean, c'est validé, hein? Ouais, c'est validé. Ouais, tous les chromas sont. En fait, je crois pas qu'il y a un sans. Je crois que c'est un sans faute, hein? Ouais, c'est un sans faute. C'est un sans faute et tout particulièrement le dernier. Toi, le dernier, je t'aime beaucoup. T'aime beaucoup. Mais ouais, c'est un sans faute. Basiquement, n'importe quel chroma fera l'affaire. Le skin aurait été vachement meilleur si ça avait été littéralement un de ces 9 chromas. Basiquement. Sauf le cinquième. Le cinquième, toi, je t'aime pas du tout. Donc les chromas sont validés. Mais ouais, bon, il y a toujours un peu bizarre. Ouais. Ah oui, et du coup, oui, prenez le chroma mythique si vous aimez le rouge. Voilà. Bref, c'est la fin de ce patch. En somme, qu'est-ce que je peux faire comme conclusion rapide? On va dire que le. On va dire que c'est un patch qui tente d'équilibrer beaucoup de choses. Donc forcément, je pense que ça va être le temps pour Riot de tenir énormément de data. Moi, ce qui me fait chier, c'est que potentiellement, on n'ait pas nerf la BOTRK, qui je pense est peut-être le problème qui empêche les champions tanks d'être particulièrement forts dans le méta actuel. Le fait que dans le PBE, les salutations Dominique soient buff me fait extrêmement peur. Je me demande si vraiment ça va être possible. En fait, le problème, c'est qu'on buff les salutations Dominique, qui était de toute façon l'item qui était normalement un pick, un must pick pour les ADC à partir du deuxième item en fait. C'est un peu chier du coup parce que ça va réduire potentiellement la diversité de build des champions à partir du moment où il y a un tank. Ça va littéralement être le deuxième item à build tout le temps. Surtout avec le buff. Ouais. Ça me fait peur pour la méta tank en général. Et j'attends toujours le changement du Séraphin des mages. Parce qu'on avait eu pendant quelques semaines sur le PBE un changement où le Séraphin donnait à nouveau de l'AP à la place de l'Ability Haste. Et je pense que c'est pas les faire.
Et je comprends pas pourquoi est-ce que Riot l'a pas encore mis sur le vrai jeu. Donc bah, tant qu'ils l'ont pas fait, je continuerai à dire que les items mages ont un problème. Et je pense que basiquement, on a eu le youtubeur Azap qui a dû faire un short sur les items AP. En tout cas, une vidéo très courte qui, je pense, est assez, comment dire, représentative de mon avis sur le sujet. Mais je pense que je vais faire une vidéo plus détaillée. Pour d'expliquer un petit peu plus le raisonnement qu'il y a derrière le fait que je pense que les items AP sont vraiment très problématiques dans leur forme actuelle. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Je pense que c'est dans l'ensemble un bon patch. Honnêtement, j'étais assez sceptique en voyant les buffs concernant notamment le fait que je pensais que les champions qui avaient été buffs étaient potentiellement suffisamment forts et qu'ils n'avaient pas particulièrement besoin de buffs. Mais en réalité, au vu de ce qu'il y a et au vu de leur winrate, je n'ai pas d'autre choix que de m'incliner sur ça. Et donc, on va voir comment ça va se passer. J'ai peur, du coup, que ce genre de buffs vont potentiellement créer des gros problèmes. En ce qui concerne du coup la méta tank potentielle, si on se met à nerf les items anti-tank qui sont un peu trop polyvalents. Le gros problème, c'est que les items anti-tank, c'est littéralement la seule chose qui nous empêche de tomber dans une méta tank de l'infini, basiquement. La létalité n'est plus pertinente dans le League of Legends moderne. Et tout comme la pénétration magique, d'ailleurs. Même si la pénétration magique est légèrement plus impactante, on va dire. Donc, ouais. J'ai un peu peur de tout ça, aussi j'ai peur de la jungle, forcément. Les changements m'ont l'air d'aller légèrement dans la bonne direction. Après, le problème c'est qu'on ne saura pas vraiment à quel point la méta va être changée en jungle tant qu'on n'aura pas vu le compétitif. Et il y a toujours y a toujours certainement une chance que la méta n'évolue juste jamais, parce que peut-être que les joueurs pros ne vont juste pas se... vont juste absolument pas s'adapter et vont juste pick des Ekarim et Ekko toute leur vie. Enfin, Ekarim et Udyr toute leur vie, sans faire de changement, et que potentiellement il y aura peut-être un peu plus de carry jungler quand peut-être les potentiels de s'exprimer. Mais voilà, j'ai peur que voilà, Wukong, Udyr et Ekarim soient la trinité avec Belvette, des champions qui vont être joués en jungle dès les premiers matchs compétitifs. On n'est pas particulièrement de gros changements à ce niveau-là. C'est des champions qui étaient déjà là en jungle. Mais en dehors de ça, voilà, on verra un peu comment est-ce que ça se passe, forcément. Et on attendra le patch du 13.1, normalement, du coup, qui sera certainement le dernier patch, c'est ça? Dernier patch de l'année, c'est ça. Donc, ouais. Ok. Apparemment, la plupart des Rioters sont en congé pour la fin du mois de décembre. Vous verrez sans doute des mises à jour de mi-patch avant notre départ ainsi qu'à notre retour pour régler les problèmes potentiels. Toutefois, vu les circonstances, nous vous remercions d'avance pour votre patience. Okay. Donc, ce sera le dernier patch avant longtemps. C'est cool. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo pour le coup. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, notamment bah, du coup les notes de patch qui sortiront forcément en 2023, mais aussi potentiellement des vidéos sur des reworks de champions, des vidéos sur des nouveaux champions. Des vidéos sur du coup des vidéos un peu plus concept, un peu plus débat sur notamment comme la vidéo que j'ai sortie récemment sur le rework de Corki, qui selon moi est assez nécessaire pour le champion. Et des vidéos forcément sur le League of Legends compétitif, notamment une vidéo sur le Mercato, où il y a pas mal de choses à raconter et d'opinions différentes en ce qui concerne les rosters et sur l'état des régions actuelles, donc c'est plutôt intéressant. Bref, abonnez-vous si vous voulez voir tous ces contenus-là et activez la cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à dire sur la vidéo ou pour donner des conseils, ça fait plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine!